Bonsoir à tous, merci pour nos invités. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça se discute. Je crois que j'ai jamais reçu autant d'invités en même temps. On les a comptés, pas moins de 36 invités ce soir. Bonsoir à tous. Chers parents, je ne vous apprends rien depuis la naissance des enfants. Votre insouciance d'avant a été littéralement engloutie par les couches, les pleurs, les biberons, les nuits sauvagement saucissonnées en tranches abrutissantes, les courses contre la montre pour les matins d'école, les soirs de nounou également, c'est ce qu'on appelle le prix du bonheur. Nombreux sont les parents qui décrètent l'état de guerre pour contrer l'arrivée du petit envahisseur de 3 kilos, mais attention, ce tendre amour est rusé. Il pèse parfois une dizaine de kilos. Non pas qu'il est plus dodu que les autres, il vient simplement à plusieurs et en même temps. Autant vous dire que cela ressemble fortement à une attaque thermonucléaire, une sorte de mini-gang qui débarque et qui provoque un véritable Big Bang. Prenons l'exemple de Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir. Son gang à elle pesait 9 kilos. Il a décidé de débarquer à 6. Résultat des courses, chaque jour 48 couches, 48 biberons, un minibus et j'en passe. Ils ont tenu le coup, les sextuplés, oui, vous aussi. Oui, ils sont tous en pleine forme, ils sont derrière. Ils ont 15 ans aujourd'hui, est-ce 15 que ans. Vous pouvez nous lever vos doigts pour qu'on vous voit tous les 6. Bonsoir et bienvenue. On en parlera, c'est une situation unique en France, les sextuplés. Oui, hein. Exact. Nous évoquerons avec vous la vie des parents et puis la vie du couple aussi, Marie-Claude. Il oui. n'y en a plus. Il n'y en a plus ? Non. Bah, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Nous parlerons aussi des risques médicaux liés... Allez, oh, olé, toro. Liés aux naissances multiples, parfois il faut pratiquer une réduction embryonnaire. C'est toujours très très douloureux pour les mamans, surtout après coup. Nous en parlerons avec Frédéric qui est notre invité. Bonsoir Frédéric. Et puis bonsoir. Nous intéresserons aussi au rapport qu'entretiennent entre eux les naissances multiples, les enfants de naissances multiples. Jean-Philippe a perdu son jumeau à 31 ans et vous n'arrivez pas à faire le deuil. Vous dites que c'est votre cœur, votre cerveau qui est parti et une bonne partie de vous-même également. Alors comment est-ce pour les triplés, pour les quadruplés, pour les sextuplés? Est-ce comparable? Nous verrons ça. Celle qui conclura l'émission de ce soir a 6 enfants, 3 les uns après les autres, 2 en même temps et puis un petit dernier pour la route. Elle a chanté et joué la comédie, elle monte sur les planches maintenant pour un spectacle intitulé justement Le bébé, d'après le bouquin de Marie Dariussec qui s'intitule également Le bébé. C'est au 20e théâtre et je vous demande d'accueillir Lio qui est notre invité. Bonsoir Lio. Bonsoir. Un petit lapin. Bonsoir. Bonsoir les enfants. Bonsoir Lio. Bonsoir. 36 invités et vous et moi, voilà, ce soir. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission ? Mais de discuter avec tous ces gens, d'en savoir plus sur leur vie, parce que moi, avec mes deux petites jumelles, franchement, je suis un cas complètement banal comparé au sextuplé de madame. Mais le problème du couple, des enfants, parce que je n'ai peut-être pas fait tous d'un coup, mais j'en ai 6 quand même. Donc, je pense être une bonne écoute et j'aimerais bien les entendre et discuter avec eux. C'est pour ça que je suis là. Aidez-moi, n'hésitez pas, Lio, à intervenir quand mais les questions se posent. Jamais. Vous n'hésitez jamais, ce n'est pas votre première. Je présente donc nos invités à qui nous avons consacré un reportage. On va commencer avec Louis, Marie, Pascal, Marie-Christine et Vincent. 84 x 2, 168 ans. Ça fait 42 chacun pour eux 4. Je vous demande de les accueillir. Les quadruplés les plus vieux de France. Bonsoir à tous les 4. Ah, vous ressemblez quand même. Hein. Non, vous n'êtes pas si vieux, mais vous êtes les plus vieux. Voilà, on est vieux réunis, oui. Mais seuls, on est jeunes. C'est ça. Est-ce que vous êtes souvent seuls ou est-ce que vous êtes plutôt réunis? Non, on fonctionne en binôme. C'est-à-dire? Marie-Christine et moi, et Pascal et Louis-Marie. Ah bon? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là alors de... Tous les deux, on est sur Paris, quoi. Ouais. Et puis Marie-Christine et Vincent en Bretagne, à Vannes. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps par deux? C'est-à-dire qu'on est surtout quand on était. Quatre en même temps, je vais pas y arriver. Hein. Quand on était depuis pratiquement la primaire, on a souvent été Pascal et moi ensemble, et Marie-Christine et Vincent ensemble. Ah oui. Et en colonie, et à l'armée, et quand on a fait le Tour de France tous les deux. Ah bah oui, ça, l'armée, j'imagine, Marie-Christine. Voilà. Oui, là, c'est bon. Oui. C'est une question d'affinité ou c'est parce que la vie l'a décidé comme ça? La vie qui l'a décidé comme ça. Oui. Vous étiez comme ça aussi? Oui. Pire. Oui. Pire. Oui. Bah oui, plus sain, quoi. Enfin, plus sain. Tu n'as pas d'enfant, Jean-Luc. Pas sûr. À chaque fois, tu tombes des nues. Oui. Enfin, c'est ça arrive par 3 ou par 4, quand même, ça surprend. Mais même un enfant tout seul, hein. Ah oui. Donc imaginez 3, 4, 6, etc. Ben, voilà. Voici un extrait de ce reportage avec Louis-Marie, Pascal, Marie-Christine et Vincent. Oh, oh là là, oui. Oh là là. T'en compte qu'on tenait tous les quatre dedans. Il y a un mauvais état quand même.
Moi, j'aimerais bien la... Alors ça, c'est votre premier monospace, oui. En fait. Hein. Louis-Marie. Ouais, oui, premier monospace de l'époque. Notre premier monospace, oui, c'est le... Mais on avec... pourrait le restaurer avec quand même, deux freins. Il y avait deux pas, Marie-Christine avec la VS, ouais. C'est du travail, hein. Elle est où la poignée? Elle est là la poignée, là voilà. Allez, ouais. Okay. Fais-nous voir ça, comment t'as fait pour nous renverser. Voilà, là, j'ai fait comme ça. J'ai appuyé comme ça, ah, oui. Boum, le lambeau est parti. Vous étiez tombés tous. Et ouais, maman, nous, quand on était malades, c'était un après l'autre ou c'était tous ensemble? Tous ensemble. Hein. Ah, la coqueluche, c'est tout le monde. C'est les quatre. Si elle avait la varicelle, c'était tout le monde. Les quatre. Ben oui, et puis la température à chaque. Je me souviens quand il fallait prendre la température, quand il y en avait un qui avait de la fièvre, ben, maman disait bon, maintenant ils vont tous en avoir. Alors elle vous disait en position. Vous mettiez en position et hop, les thermomètres. Ah oui, voilà. Ça devait être très visuel. Les quatre thermomètres. Et on... Léo insistait sur la place des parents, comment faire en sorte que le couple se retrouve avec tous ses enfants, mais on peut parler aussi des grands frères, en l'occurrence les vôtres. Vous en avez deux, ils ont eu du boulot aussi. Bonsoir madame aussi, la maman évidemment, et les grands frères. Chacun s'exprimera dans cette émission. Je présente maintenant Loïc et Magali. Bonsoir Loïc, bonsoir madame. Ça va Loïc? Oui. Tu as quel âge maintenant? 9 ans. 9 ans, tu as combien de frères? 4. 3. Ah oui. 4 avec toi? Oui. Ils ont quel âge? 7 ans. D'accord. Tu peux nous le présenter? Alors, c'est qui est qui? Vas-y, Loïc, tu présentes-nous tes frères. Bah, Ronan, Geoffrey et Mathias Lodou. Qui est le plus sage des trois? Alors ça, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils sont sages? Non, pas vraiment. Non. Ça te rappelle quoi, par exemple, ce spectacle de ces trois enfants? Ça te rappelle pas tes petits frères? Si, mais ils étaient plus bruyants que ça. Plus bruyants que ça? C'est intéressant. Est-ce qu'ils t'obéissent? Pas du tout. D'accord. Un extrait de son reportage. Est-ce que t'aimerais bien avoir un petit frère ou une petite sœur de plus? Vraiment, franchement? Non. Non, et pourquoi? Parce que j'en ai assez sur le dos. Ah ouais. T'en as assez sur le dos? Pourquoi? Ils t'embêtent tant que ça, tes frères? Oui. Tu me dis tout ça parce que tu veux en avoir un ou... Non, non. Maman et papa, ils en veulent plus non plus. Ah oui. Je pense qu'on est assez nombreux comme ça. Ah oui. On est bien quand même, à 6 comme ça. Oui. Tu vois, mais c'est tout le temps comme ça! Oui, 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 oui. Et ça commence! Mais mon Dieu, faut que j'aille où pour qu'ils arrêtent? Du 5 copains parce que mes frères ils collent toujours. Et tes copains ça les énerve? Et puis oui, puis j'en ai perdu plein. Et pourquoi vous le laissez pas tranquille alors, il perd tous ses copains? Bah c'est pas à cause de nous. C'est quoi? Non. C'est jamais à cause d'eux en fait, hein. Alors je présente maintenant donc Sylvie et Christophe. Alors vous allez nous faire les présentations. Tu t'appelles comment toi par exemple? Tu t'appelles comment, toi? Timothée. Tu t'appelles non, d'accord. Tu t'appelles comment? Toi, tu vois, tu t'appelles comment? C'est d'accord, vrai. Je vais pas y arriver, je crois, là. Quel âge ont-ils? 2 ans et demi. Et demi, c'est le et demi qui compte. Surtout, je vous laisse nous les présenter. Donc, alors, Timothée. Kazakh bleu rayé blanche. Nathan. D'accord, tout en couleur. Et Raphaël. D'accord. Donc, trois petits rahans, trois petits chevelus. Trois petits rigolos qui arrêtent parfois, quand même. Jamais, sauf quand ils dorment. Et ils dorment souvent? Bah, un peu la nuit et un peu la sieste aussi. Oui. Et vous dormez souvent? Pas trop, non. Les nuits sont relativement courtes. Elles le sont toujours autant, 2 ans et demi après? Ah oui. Oui. Comment, c'est-à-dire que vous dormez comment? Par séquence, par intermittence? Bah, là, on arrive quand même à dormir plusieurs heures d'affilée par nuit. C'est beau. Mais les premiers mois. Pas depuis les premiers mois, c'était jamais dormir, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Très dur. Ça va le papa, vous avez l'air un peu à cran, Christophe? Bah c'est... Les voir, il faut les surveiller parce que sinon ils font des bêtises sans arrêt, quoi. Donc là, avec les câbles et tout ça, bon, il faut faire très attention. Parce qu'ils sont pas... Vous attendiez à ça quand on vous a annoncé que vous auriez des triplés?
Non, parce qu'on peut pas, on s'imagine, mais jamais on ne peut, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas s'imaginer que ce soit si difficile, par exemple. Comment faire comprendre aux autres à quel point c'est une vie de parents intense que d'avoir des triplés? Je vous ai entendu, Christophe. Il faut le vivre, quoi. Bah, il faut le vivre. C'est quelque chose que vous conseillez? Non, mais si, parce que c'est que du bonheur. Quand on enlève les moments comme ça difficiles à côté, c'est que du bonheur. Oui. Je précise que c'était à la suite d'une FIV, une fécondation in vitro que vous avez eue. Non, c'était une insémination artificielle. D'accord. Une insémination artificielle, mais qui sont de plus en plus développées aujourd'hui dans les couples, pour les mamans et les papas, et tant mieux, mais qui provoquent aussi de plus en plus de naissances multiples. Quand on voit la progression des naissances multiples, on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus souvent. Donc préparons les autres parents à cette invasion. Je vous propose pour ça de regarder le reportage qui va suivre, mesdames, messieurs. Depuis 2 ans et demi, donc, la vie est absorbée par ces 3 petits garçons, triple bêtise. Triple soin quotidien, triple demande de câlin, triple autorité, le soir notamment quand il faut les coucher. À vous deux, comme vous le dites, vous n'avez que 4 mains, donc quand il y en a 3, bah, il manque 2 mains déjà, ne serait-ce que pour les tenir, quand on va voir les lions aux os, par exemple. Vous disiez, Christophe ? Je dis c'est juste. C'est juste, oui. 4 mains pour 3, faut pas gâcher. C'est un reportage de Sigrid Clément, de Christophe Barbin et d'Élodie Chéneau, avec, voilà, ces 3 enfants. À tout de suite. Mais non, papa, il te tient, je te dis. Ça va, c'est confortable, Sylvie ? Non, il est là. T'as vu ? Non, j'ai fait tomber. Ouais, il fait dodo. Non ? Il fait dodo. Alors, c'est le papa là. Le papa là, dodo. Il fait dodo. Vous pouvez me le mettre dans le sac ? Merci. On a failli le dessin ? On a failli le dessin ? Attends, je peux le monter. Ton chapeau. Qu'est-ce qui se passe là, par exemple ? Bah, ils veulent voir tous les 3 et toujours le même problème, attends. On a 2 bras. Enfin, on n'est que 2 pour 3. Tiens, viens voir maman. Non, c'est d'abord Timothée, Nathan. Ah non. Si. C'est Nathan. Non, c'est Timothée d'abord. Depuis la naissance de ses triplés, Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Nathan, Raphaël et Timothée la réclament sans cesse et toujours en même temps. Est difficile dans ces conditions de passer un peu de temps en tête à tête avec chacun. Timothée, on compte ? Tu veux compter avec maman ? Tu veux pas compter tes doigts ? 1, 2. T'as déjà envie ? Non, après le pyjama. Le bain, après. Non, c'est Timothée. Où t'as bobo ? Combien de minutes d'intimité avec Timothée vous avez eu là ? 2 ou 3, pas plus. J'ai peur de passer à côté de quelque chose, oui. Parce que, comme ils sont 3, de toute façon, c'est sûr que je passe à côté de quelque chose. Maman est dans le bain. Bon, tu vas dans le bain. Cette fois encore, Sylvie a cédé. Mais pendant qu'elle termine avec Nathan, dernier à être sorti du bain, Timothée et Raphaël sont lâchés dans la cuisine. C'est bonbon. C'est bonbon. C'est le bijou à Nathan, à Raphaël. Yeah. Ça c'est bobo. Ça va? C'est bobo. Oui? Je vous dérange pas? Non. Donne à maman. Maman, elle va te donner un carré, mais c'est maman qui donne. Je vous ai déjà dit qu'on ne se sert pas dans le frigidaire. C'est quotidien, tous les jours. Plusieurs fois par jour même. Qu'est-ce qu'ils vous font comme dégâts ? Bah, quand ils ouvrent le frigidaire, Nathan, il m'attrape les œufs. Il m'attrape tous les œufs. Il m'ouvre les yaourts, il me les renverse par terre parce qu'ils font pas attention quand ils marchent. Maman, elle va te donner un morceau. Regarde. Un morceau, c'est tout. Après, tu vas être malade. C'est tout. C'est tout. Au revoir. Débordée par l'énergie de ses enfants, Sylvie a besoin de souffler pendant que le papa prend le relais. Pour la 2e fois seulement en 2 ans et demi, elle s'autorise 1h30 rien que pour elle. C'est une crème de modelage relaxante et oxygénante. Parce que votre peau a surtout besoin de se reposer. Il n'y a pas que ma peau. Vous vous accordez quand même des petits moments de détente de temps en temps ? Jamais ? Jamais.
En 2 ans et demi, j'ai pas pu regarder la télé, lire le journal, voir des amis, voir une copine toute seule. De toute façon, c'est que pour eux. Là, ça fait 2 ans et demi que je vis que pour mes enfants. Ça y est, maman, elle est là. Bonjour, maman. Ça a été, Christophe, quand même. Ouais, bah... Comme d'habitude. Hein. Vivement que ça se termine. Que maman revienne, qu'elle prenne tout en main. Nathan, quand il pleurait, le temps que je le calme, il y a Raphaël et Timothée qui sont montés en haut. Ils ont enlevé leurs pantalons, leurs chaussettes, leurs slips. Raphaël y a fait pipi dans la baignoire. Et Timothée par terre. Alors j'ai mis les habits... Ça, nous l'avait jamais fait, par contre. Faire pipi dans la baignoire. Comme ça, on aura un peu de silence. Nouvelle épreuve pour les nerfs avec le départ pour les courses. Laisse-lui son doudou. Ah non, Timothée, tu me... Attends, je vais prendre le tien. Où il est ton doudou? Où il est? Une fois dans le magasin, il faut avoir recours à quelques ruses. Qu'est-ce qu'on dit? Alors là, Christophe, vous achetez un peu de tranquillité? Voilà, un peu de calme. Et ça marche? Ouais, pas longtemps, le temps de finir les bonbons. Tu restes à côté de papa? Et papa va aussi. Viens, Kiki. Viens, je vous les remets dans le caddie. Les courses, c'est l'enfer, l'horreur. Et oui, c'est très difficile parce que bon, ils s'énervent facilement. Et après, on sait plus comment capter leur attention parce que bon, ils ont déjà eu des bonbons une fois, on va pas les gaver les bonbons tout le long des courses. Donc en fait, les courses, elles sont très vite. Voilà. Nathan. Si. Allez là. Bienvenue là aujourd'hui. Oui, comparé à d'habitude, oui. C'est beau. On peut dire qu'ils ont été sages. Mais la véritable guerre des nerfs se joue au moment du coucher. Chaque soir, les triplés testent les limites de leurs parents. Allez, au dodo. Non. Non, pas la lumière, Timothée. Retourne dans ton lit. C'est quoi ces booms là? En fait, et... ils s'amusent avec la porte du placard la porte de la chambre. Et voilà, ils ont Où est-ce que vous avez pris ça? Ils ont vidé leur corps. Bah voilà, je plierai. Bon, on les rangera demain si vous voulez. Ouais, mais. Fais en groupe. Ça nous achève, faut monter 20 fois l'escalier. Le soir, j'en peux plus, faut plus rien me demander. Et quelle place ça laisse pour le couple, ça? Depuis leur naissance, plus beaucoup de place. Les premiers mois, on ouvrait un œil, on sautait dessus, quoi. On se disputait. Et c'était horrible. C'est comme chien et chat. Ouais. Oh là là là. Voilà. Voilà. Et voilà, tous les soirs. Tous les soirs. Et plusieurs fois. Comment c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont trois, vous pensez? Ah oui, c'est parce qu'ils sont trois. Ah oui, ça c'est. Ils s'excitent les uns les autres et ils s'entraînent. Poussez-vous. Non, descends, Nathan, descends. Raphaël. Timothée. Vous y perdez en même temps? Les prénoms? Ouais. Bah, parfois, ouais. Ouais. En fin de journée. Allez. À demain, bonne nuit. Au revoir. À demain. Tata. Oui. T'es là? Oui, mais. Oui, là. Et encore. Assis. Amen. Oh.
Bravo. Alors, bah, bravo. Bravo, bravo, bravo. Allez. Loïc, ça t'a rappelé des choses Justement, je vais leur poser une question. Ouais. Moi qui croyais que trois grands, c'était pire que trois petits, mais là, c'est trois petits. Ah, oui. On va voir ça dans ton reportage tout à l'heure, quand même, que trois petits, enfin trois grands. 7 ans, quoi. Oui. 7 ans. Là, 2 ans et demi, tu vois. Au palmarès des bêtises, qui est le tenant du titre parmi les trois? Bon, en fait, c'est tous les trois, parce qu'il y en a tout le temps un qui excite l'autre et ils font les mêmes bêtises. Mais ils ont les mêmes caractères, par exemple? Non, ils sont quand même, non, ils ont des caractères différents. Alors, par exemple, quel caractère pour chacun d'entre eux? C'est quand même le petit chef. Ah oui. Et parce que j'étais estomaqué de voir que quand la porte se ferme et que la lumière se rallume, vous saviez que c'était Timothée? Bah oui, parce que c'est lui qui appelle Nathan pour aller allumer la lumière. D'accord. Nathan. Nathan, c'est lui. Alors, Nathan, tu vas allumer la lumière, toi? Ah ouais. Et alors, quel caractère il a, Nathan? Bah, Nathan, en fait, c'est quand même le bébé des bonheurs. Ah bon, c'est le bébé des bonheurs. Nathan, tu es le bébé des bonheurs, toi. Il est toujours riant, très gracieux, et c'est le... beaucoup de câlins aussi, Nathan. Très petit bébé à sa maman. Et un doudou pour toi. Et Raphaël, alors qu'on a surnommé Sarko. Parce que Sarko, il rigole pas avec les lapins, hein. Pardon, avec les ours panda. Bah ça, tu n'en sais rien, Jean-Luc. C'est peut-être qu'il rigole avec des lapins, Sarko. Pour une émission, ça se discute. Tiens, Sarko, prends ça. Pourquoi vous l'appelez Sarko? Bah en fait, c'est il nous surveille tout le temps, il est tout le temps derrière nous. À chaque fois, il nous dit, il me suit tout le temps partout, il me dit, qu'est-ce que tu fais, maman, t'es là. Qui l'a baptisé Sarko? Bah, c'est nous. C'est nous. Ouais. Et les autres ont des surnoms? Bah, en fait, ils ont leur surnom par rapport à leur prénom. Ah oui. T'as des diminutifs. Non, non, on peut pas l'ajouter. Il est là. D'accord. Est-ce que le papa est suffisamment impliqué? Ce n'est pas une question innocente. Bah, il fait ce qu'il peut, mais bon, c'est sûr que quand il rentre du travail, il aspire peut-être à un peu de tranquillité. Ah oui. Il démissionne facilement. Il démissionne facilement de sa fonction de père? Et comment vous en discutez tous les deux ensemble? Surtout le soir, parce que le week-end, il est quand même très, très présent. Ah oui. Le week-end, c'est les enfants, et on s'occupe des enfants, et lui... Il participe au cadrage des ménageurs. Mm. Oui. Et le soir? Bah, le soir, c'est pareil. En fait, il faut monter tout le temps à deux. Oui. Parce que si je monte seule, le temps que j'en mets un dans son lit, le deuxième sort, et après, j'arrive pas à refermer la porte... J'arrive pas à refermer la porte et ils ne sont toujours pas tous les trois dans leur lit si le papa n'est pas là. Qu'est-ce qui est le plus fatigant pour vous? C'est les week-ends avec les petits ou... Ah, les week-ends, oui. Plus que le boulot? Par moment, le travail, c'est vrai que c'est un peu difficile aussi, mais la maison avec les petits, c'est terrible. Hein, parce que bon, ils n'arrêtent pas. Vous pouvez pas vous reposer, vous pouvez pas vous détendre. Il faut toujours être sur le qui-vive pour justement éviter une grosse bêtise. Et... Oui. C'est très pénible. Ouais. Vous n'avez pas l'air de plaisanter avec ça, Christophe, hein? Ben, c'est parce que moi, déjà, par rapport à la maman, j'ai pas la patience. Quoi. J'ai pas l'instinct maternel. Hein. Je suis papa. Hein. Et moi, la patience, bon, ça va bien un quart d'heure, 20 minutes. Et après, bon, avec la journée de travail, après, moi, je sature. Quoi. Et vous vous en sortez toujours? Bah oui. Enfin, m'en sortir, oui. Allez, vous faire personne un petit... n'a été blessé, personne... Mais bon, j'ai du mal à canaliser quand même leur énergie. Et puis c'est fou de voir que vous avez pris seulement un moment pour vous après deux années et demie. Et oui, parce qu'ils prennent tout mon temps, tout mon temps, tout mon temps. Oui. Comment vous trouvez le temps pour vivre un peu pour vous, avoir une relation, votre relation d'amour? Ben, difficilement. Dès les premiers mois, on n'avait aucun moment pour nous parce que c'était les biberons, les couches. Nathan, tu vas aller faire un tour? Ouais, c'est parce qu'il voit les photos. Ah oui. Ah oui, c'était mignon. Hein. Tiens, tu vas lui faire des dessins. Vas-y, viens. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Il était moins bruyant à l'époque. Quoique, je sais pas. Ouais. Quand il pleure, c'est quelque chose bon, aussi. Et maintenant, vous arrivez à avoir une vie de couple? Bah oui, mais très difficilement. C'est quelques minutes volées par-ci, par-là. C'est pas très souvent, quoi. C'est pas assez souvent, Christophe? Non, pas assez souvent, pour moi, non. C'est pas assez souvent, Sylvie? Bah non. Parce qu'à la base, si le couple n'est pas solide, on résiste pas. Pourquoi vous les confiez pas plus souvent à une garderie?
Ben, parce que ça coûte très cher. Ouais, pour des raisons de sous, quoi. Je donne la parole à Nadège qui est avec nous et qui est accompagnée de Dominique, son mari, et de Sarah, Lucas, Laurentin et Hugo. Donc bonsoir à tous les six. Est-ce qu'on peut se présenter? Vous êtes où? Vous êtes là, excusez-moi. Ah oui, c'est très mignon, effectivement. Ils sont tout mignons. Ce sont donc des quadruplés qui ont quel âge? 2 ans et 4 mois. Ah oui, donc ils ont à peu près le même âge que les triplés qu'on vient d'entendre. Mais ils sont beaucoup plus sages. Oui. Ah oui? Pour le moment, oui. Comment vous avez réagi en voyant les triplés de Sylvie et Christophe? Mais finalement, on se posait beaucoup de questions, mais là, ça va mieux. Ça va mieux. On a de la chance, finalement. Ouais. Ça va. Vous dites que les vôtres sont beaucoup plus sages? Ben, on passe de lit en lit, mais de là à retourner les lits, non, pas encore. C'est une question de personnalité des petits ou c'est une question d'éducation militaire? Ben, peut-être des deux. Oui. Peut-être des deux. La personnalité doit faire quelque chose, mais à mon avis, l'éducation aussi. Oui, parce que c'est vous, c'est un camp de Marines, hein, paraît-il. Oui. Alors comment vous êtes organisé pour faire en sorte que les... de pouvoir vivre tous les sept? Je vous en prie. Oui, ben... Allez-y. Mais le matin, c'est 8 heures debout. Et puis après, c'est le déjeuner. Puis ben, vers 9h, 9h30, c'est les bains. Et vers 11h30, c'est le dîner. Mais comment vous faites le bain pour 4 enfants? Ben, j'ai une puéricultrice. Qui vient vous donc, aider? Oui, qui m'aide. Enfin, pour le moment, j'en ai plus, mais bon, ma maman est là pour m'aider. Donc, ben, chacun son tour, un quart d'heure, 20 minutes dans le bain. Et puis voilà, quoi. Donc, ça dure plus ou moins une heure pour le bain pour les 4. Ensuite 11h30, c'est le dîner. Ah oui, 11h30, parce qu'en fait, c'est pas que vous dînez très tôt, c'est qu'en Belgique, on appelle le dîner le déjeuner. Oui, voilà, donc oui. C'est pas, excusez-moi. Alors, bonsoir à tous nos amis belges. Et 12h30, c'est la sieste. Ah oui, d'accord. Ils dorment dans la même chambre? Oui, tous les 4. Et ils font pas les foufous? Oh, si, hein, mais... Mais pas autant que les triplés? Non, pas autant, pas autant. Et pourquoi? Parce que maman est très sévère? Parce que maman est peut-être un peu plus sévère que, ah que bon madame, oui. Vous trouvez qu'elle n'est pas assez sévère? Mais, je ne sais pas, moi je ne vis pas au quotidien avec madame. Mais vous en avez vu un aperçu quand même. Oui, mais chez moi ça ne se passe pas comme ça, quoi. Ah oui, vous voyez. Faut voir quand vous même, êtes trop coulante. Ben non. Mais moi j'ai une question, c'est vos premiers, les quadruplés? Oui, ce sont mes premiers. Et les derniers. Et les derniers. Alors quel conseil je sais pas, ça vous rend admiratif de voir 4 enfants sages, 4 quadruplés sages? Oui, quand même, hein, on aurait préféré être à leur place. Mais bon. Vous avez des conseils à donner à Sylvie et Christophe? Mais il ne faut pas désespérer. Hein, Mais non, mais je sais pas trop, peut-être être un peu plus sévère, mais je crois que maintenant, ils ont leur personnalité, donc c'est peut-être un peu tard, il fallait peut-être s'y prendre dès le départ. Je ne sais pas, peut-être prendre un autre rythme de vie, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Ça, je vis au quotidien, donc... Mais le papa, par exemple, il vous aide à la maison ou est-ce ah, oui, tout à fait. Mais comment vous faites? Le soir, vous l'aidez? Oui, oui. Le soir et le matin, mais vous travaillez pendant la journée? Oui. Vous ne travaillez pas, Nadège, j'imagine? Non. Non. Non, en fait, ma femme a arrêté dès la naissance des petits. Ah, j'imagine, oui. Et normalement, elle va reprendre fin d'année, ici. Ah bon? Oui, ça lui fera du bien. Naissance, oui, pensez un peu à autre chose. Mais en tout cas, vous avez vos nuits pour vous deux, en tout cas, quoi. Oui. Ouais. Ça, c'est bien pour un couple, hein, quand même. C'est important. Naissance simultanée de Sarah, de Lucas, de Laurentin et d'Hugo. Ça a été un véritable petit événement dans votre région. La télévision locale est venue frapper à votre porte pour vous filmer. Alors, nous avons les images. Je vous propose de regarder donc quelques images de cette quadruple venue au monde. Vous aviez un beau petit ventre, Nadège, quand même. Hein. Admirez le ventre de Nadège. Alors, pour visualiser la position des bébés dans le ventre, on va peut-être les dessiner. Le 1er octobre 2001, Nadège s'apprête à accoucher par césarienne de ses 4 bébés. Avec son dos comme ceci, nous avons Lucas qui est comme ceci à peu près. Je viens un petit peu parler avec vous puisque vos bébés vont naître prochainement. Et donc, j'ai un peu vous expliquer comment ça va se passer. Donc, nous serons très certainement 4 médecins pour accueillir les 4 bébés. Hein, donc, vous imaginez bien, chacun aura son bébé. Et donc, voilà, nous les prendrons en charge dans la salle d'opération avant de les transférer dans le service de néonatologie. Thank you.
4, ils sont hurlants, ils sont tout beaux, tout beaux. On ne peut pas vous les amener, vous allez les voir. Hein. Ça va ? Comme tous les multiples, Sarah, Lucas, Laurentin et Hugo naissent prématurément faute de place suffisante dans l'utérus de leur maman. C'est à la 32e semaine, au lieu de 40 habituellement, que le quatuor fait entendre ses premiers cris. C'est le numéro 4, c'est Hugo ? Avec le sans-âge. Avec... C'est Sarah. Donc maintenant, ici, on va les installer sur leur table chauffante. On va mesurer la saturation en oxygène, être sûr qu'ils n'ont pas besoin d'oxygène, faire une prise de sang générale d'admission et leur mettre une perfusion pour qu'ils aient un apport en sucre assez rapidement. Et alors, par la suite, ben, c'est simplement la surveillance habituelle et on va voir un petit peu comment ils vont se débrouiller. On t'a mis un petit peu. Oui. Quatre fois par jour, Nadège quitte sa chambre pour rendre visite à ses enfants dans le service de néonatalogie où ils vont rester le temps d'arriver à complète maturité. Vous pouvez rentrer chez vous, en fait, au niveau de la santé. Au niveau de la santé, oui, je peux partir, mais j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de laisser mes bébés ici, tout seul. C'est mignon. Oui, Nadège, Léo, vous posez la question de savoir si c'était vos premiers, comme on dit, c'est mignon comme question. Ce sont vos premiers, oui, ce sont les premiers. Vous avez l'air étonnamment cool, je trouve, de avant et pendant, enfin, je veux dire, de vivre ça sereinement, ça, vous, ah oui, ça a été le cas ? Oui, totalement. Je crois que ça m'a aidé beaucoup à arriver à 32 semaines. Oui, cool. Pourquoi se tracasser quand on ne sait pas ce qui nous arrive, donc... Mais comment vous avez réagi à l'annonce, quand même ? Ah ben, au départ, c'était 3. Mon médecin m'avait dit qu'il y avait une poche vide, donc nous, il y en avait que 3, quoi. Et puis, 2 semaines après, on est retourné faire une échographie, et là, la poche, elle n'était pas vide du tout. Mais il y avait Hugo qui était là. Mais bon, 3 ou 4... C'est ça. Ou 5. C'est pareil. Ou 6. Ou 6, oui. C'est pas pareil, vous dites ? Ah non, non, non. Moi, j'ai pas pris la chose de la même façon, moi. C'est-à-dire ? Comment vous l'annoncez ? C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais 10 embryons. On m'a fait une réduction embryonnaire de 4 embryons en me disant que sur les 6 embryons restants, il n'y en avait que 3 de viables. Et c'est pour ça que moi, j'ai gardé la grossesse. Et quand je suis montée sur Paris, on m'a dit non, 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 les 6 embryons sont bien là. Et au bout de 6 mois de grossesse, on ne peut rien faire. J'étais obligée d'attendre, voire jusqu'à 30 semaines aussi. À 32 semaines, on m'a dit non, non, là, il faut y aller, il faut accoucher, quoi, parce que j'en pouvais plus. Et les 6 enfants sont arrivés. Et... Ah bah finalement, vous êtes... Voilà. Non, je trouve que vous avez été un peu dur tout à l'heure avec Sylvie, Nadège, sur ses méthodes d'éducation. Mais enfin, franchement, dès qu'on les lâche, les petits monstres, ils prennent bien la main quand même. Hein. J'aurais dû me taire. Oui, c'est ça. C'est votre revanche, Sylvie. Voilà. C'est ça. On vous trouve en fait trop sévère au premier rang, oui. Un peu sarco avec vos enfants. Mais non, vous voyez, ils sont bien. Bon, ils sont tous bien. 4 et 3, oui, 7 et 6 qui font 13, si on compte les 6 qui vous appartiennent, Marie-Claude. Comment ça s'est passé quand les médecins vous ont dit que c'était le moment d'y aller pour l'accouchement ? Disons que j'en pouvais plus. Moi, enfin, ils m'avaient dit à chaque fois, ils me disaient non, non, une journée de plus, c'est une journée de sauvé pour les enfants. Mais moi, j'ai dit non, il n'y a pas. Moi, parce que je pensais que si c'était jour, quoi. Moi, pour moi, je me disais si ça, c'est pas maintenant, je meurs, quoi. Vous faites des gestes avec vos mains. Ah ouais, parce que c'était quand je revois l'image de la dame là, je me revois dedans, quoi. Il y a 15 ans. Oui, c'est pas possible. Alors, c'est... montrer, c'était juste grand comment ? Moi, mon ventre, il arrivait là, c'était énorme. Ah oui. Et vous sentiez les 6 bouger ? Non, 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 non. Mon ventre était très dur et les enfants n'avaient pas de place, justement, pour bouger. C'est pour ça que c'était le moment qu'il fallait que j'accouche. Donc, ils m'ont fait une césarienne et ça fait les mêmes images. Mais quand même... je vois les bébés, c'est la même chose que moi. Que... Et même les premiers mois, ils bougeaient pas ? Ça faisait pas un petit concern ? Ah non, 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 pas du tout. Je sentais que mon ventre se durcissait et que ça me faisait très mal. J'avais le ventre qui durcissait. Après qu'il soit né, vous avez mis combien de temps à vous apercevoir, à réaliser que c'était vos propres enfants? Alors, les 6 moi, ce qu'il y a, quand j'ai accouché, moi, bon, bah, j'ai eu des très très gros problèmes de santé après. Donc moi, je les ai vus, mes enfants, ils avaient déjà 15 jours. Et moi, 3 jours après, je suis repartie sur le bloc opératoire parce que je me suis retrouvée entre la vie et la mort.
Disons que moi, le chirurgien m'a dit, je pourrissais de l'intérieur. J'avais demandé du produit pour me vider les intestins parce que j'étais... Mais c'est ce qu'il m'a dit, et c'est vrai, mais je m'en suis rendu compte après. Moi, j'ai demandé un médicament pour pouvoir digérer, parce que j'étais très mal, j'avais très mal à l'estomac. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que je vomissais. Tout ce que je vomissais, c'était du pourri, c'était moisi à l'intérieur. J'aurais pu faire une occlusion intestinale. Donc j'en ai fait une, mais petite. Et vous avez récupéré en combien de temps? Et j'ai récupéré au bout d'un mois à peu près, un mois après. Mmh. J'ai eu du mal à récupérer, mais le chirurgien m'a même dit, mais ça va que j'ai une santé, j'avais une bonne santé à cette époque-là, que j'ai toujours. Mmh. Sinon, c'est sûr que ça aurait été quelqu'un avec une faible, très faible, c'est sûr qu'elle ne serait plus là aujourd'hui. Hein. D'accord. Mmh. Vous êtes contente d'avoir 6 enfants quand même? Ah si. Ben, disons que moi, ma fierté et puis ma grande force, et j'ai toujours dit ça, c'est parce que mes enfants sont en bonne santé. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé. Ouais. Bon. C'est quand même... Alors, avant la maternité, vous étiez 2 à la maison. Retour de la maternité, vous étiez 8. Voilà. Soit une croissance de 300%. Est-ce que votre foyer a dû se transformer en petite entreprise pour que ça fonctionne? Qu'il y a tout à changer. Il a fallu changer de maison, il a fallu changer de voiture. On a été voir les banques. Ils ont parlé de millions comme nous. On parlait de francs à l'époque. Moi, j'étais perdue. Tout le monde était perdu. Moi, je me dis, on va jamais s'en sortir. J'avais ma première maison à finir de payer, que j'avais commencé à payer. Il fallait que je la revende. J'avais toujours pas vendu. Il fallait que je rachète une autre maison plus grande pour accueillir les enfants. Tout en vous occupant des enfants, évidemment. Tout en occupant. Alors, c'est pareil. Étaient à l'hôpital, donc tous les jours, il fallait que j'aille à l'hôpital. Il pesait combien la naissance? Entre 1,320 kg et 1,490 kg. Le plus gros était à 1,490 kg. À quel moment vous avez réalisé que s'agissait de vos 6 enfants? 2 ans après. Parce que moi, quand mes enfants sont rentrés à la maison, petit à petit, parce que je les ai récupérés petit à petit, le temps de déménager, le temps de m'organiser, le temps d'avoir les lits, les biberons, les couches, et tout, quoi. J'ai eu des personnes à la maison pendant 2 ans. Une aide ménagère, une assistante maternelle et des élèves infirmières qui venaient la nuit parce qu'il fallait que je dorme, parce que j'avais du mal à récupérer après mon intervention. Et je me suis aperçue vraiment que c'était mes enfants lorsqu'ils sont rentrés en maternelle à 2 ans et demi. Là, quand je me suis retrouvée toute seule avec mon mari et mes enfants, là, je me dis, ça y est, je suis vraiment moi, c'est mes enfants. Voilà, parce que jusqu'à présent... Et c'était un plaisir à ce moment-là de vous dire ça? Oui, parce que moi, je les ai appréciés à partir de 2 ans et demi, pas avant. Parce qu'avant, pour moi, on me les prenait. Parce que j'avais besoin de quelqu'un à la maison pour s'en occuper avec moi, parce que je ne pouvais pas toute seule. C'était pas vraiment vos enfants, quoi. Je sais pas, quand on a des enfants et qu'on ne peut pas s'en occuper seul, c'est angoissant, quoi. Alors Marie-Claude, vous la connaissez peut-être, c'est une véritable star de télévision. Hein. Je vous ai suivi chez mes collègues. Vous êtes une grande, grande star avec une quinzaine d'apparitions. Star à la barre, tous à la une. Sacrée soirée. Quelle sacrée soirée. C'est vrai. Ballet masque, 52 sur la une, famille je vous aime. Combien ça coûte? Ça va, Jean-Pierre? Très cher. Ah oui. Un an de plus, tous les ans. Et oui. Fois 6. Oui, parce que là, il y en a 15, c'est 15 ans maintenant. Changer de vie aussi, bien nommé. Et puis rechanger encore. D'accord. Changer plusieurs fois. Sans aucun doute, c'est mon choix, incroyable mais vrai et d'autres encore. D'habitude, vous venez sur les plateaux, je vous ai vu, avec le géniteur des sextuplés, et pas ce soir. Oui, parce que je suis divorcée. J'ai vraiment, moi, ça faisait des années que ça n'allait plus entre nous, avec le couple. Et je suis restée pour mes enfants. Et moi, je me suis réveillée il y a 2 ans, je me suis dit, non, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas continuer à être malheureuse, ce n'est pas la peine. Et j'ai pris mes affaires, j'ai vendu ma maison et je suis partie dans le sud de la France avec mes enfants. Qui avaient à l'époque 13 ans. 13 ans Et je leur ai toujours parlé à mes enfants, de toute façon, ils voyaient bien ce qui se passait dans le couple, ils voyaient bien dans la maison ce qui se passait. Et bon, je leur ai toujours parlé. Et puis, ils voyaient leur papa, il n'y a pas de problème. On s'est quittés en bons termes. Ils voyaient leur père, il a besoin, je suis là, il m'appelle. Moi, j'ai besoin, je l'appelle. Il n'y a aucun problème. Ils voient les enfants régulièrement. Mais comment se fait-il? Parce qu'on a l'impression qu'au bout de 13 ans, le plus gros est passé, quoi. Non, la crise de l'adolescence qui arrive. Oh là là, 15 ans, c'est terrible. C'est pour ça que je vous en souhaite quand ils auront 15 ans. Parce que franchement, moi, il y a des moments, je démissionnerai. Hein. Ah bon? Et je vais vous dire, moi, ils parlaient qu'ils n'avaient pas de vie de couple, qu'ils n'avaient plus rien. Mais moi, ça fait 15 ans, je m'en vais en vacances pour la première fois, seule, sans mes enfants, demain soir. Non! Oui, et c'est mes premières vacances en 15 ans. Depuis 15 ans? Mais c'est incroyable! Même les enfants, quand je leur ai expliqué, tu te rends compte, maman, tu t'en vas, tu nous laisses tout seuls, c'est la première fois, ils ont du mal, parce que j'étais trop derrière eux. Et ça, je le regrette, par contre. De ne pas avoir pensé plus à moi avant, parce que j'ai toujours passé mes enfants, je me suis sacrifiée 15 ans pour mes enfants. Et maintenant, j'ai du travail, je travaille, parce que moi, les enfants, la maison, le ménage, j'en avais ras-le-pompon. Mais vous avez peur de leur départ? Vous appréhendez leur départ? Pas du tout, pas du tout. Non, parce que c'est ce que je dis, moi, il ne faut pas vivre pour ses enfants, il faut vivre
avec les enfants, aller au plus loin possible pour leurs études. Moi, je suis pour, au contraire, il n'y a aucun problème. Ils comptent toujours sur moi et c'est normal, je suis leur mère. Mais je veux penser aussi à moi, faire ma vie aussi à moi. Et je ne veux pas perdre ça, quoi. Alors, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé du travail, je sors, ils comprennent très bien. Au contraire, et ils voient que je suis plus épanouie qu'avant, quoi. Ils voient que j'ai totalement changé de vie, j'ai changé de façon d'être aussi. Quelle pro de télé, cette Marie-Claude Onsin, vous avez l'habitude des plateaux. Mais... Hein, et ça y va, et l'argument, et la question, c'est pas la peine, il faut des réponses. C'est surtout... le faire partager aux autres, quoi, qu'ils ne vivent pas que pour leurs enfants, parce qu'un jour, quand ils perdent... D'accord, il ne faut pas vivre que pour ses enfants. Non. Il y a un décret qui nous a rejoint. Je ne vis, oui. Geoffrey. Geoffrey. Je ne vis que pour mes enfants, et qu'à travers mes enfants, par rapport aux gens extérieurs. Et vous êtes contente de cette situation? Des fois, c'est un peu lourd, disons. Ce qui en culpabilise de ne pas faire assez, on trouve toujours... Moi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours culpabilisé, je me disais, j'en fais jamais assez, j'en ai jamais fait assez. Et maintenant, je culpabilise d'en avoir trop fait. Parce que je me dis, j'ai jamais pensé à moi. Bah, c'est les enfants qui vont culpabiliser maintenant. Et les enfants, c'est ce que je dis plus tard, quand ils vont partir, c'est ce que j'en dis. Quand vous allez avoir 18 ans, vous voulez partir, vous avez un copain, puis moi, je fais quoi toute seule? Ah non, je suis pas d'accord. Et là, vous partez toute seule en vacances, là? Et là, je pars toute seule. Mais toute seule, toute seule? Toute seule, toute seule. Toute seule, toute seule. Je pars rejoindre des amis. Oui. Bien sûr. Bonsoir à Mélanie, Coralie, Dorian, Gaël, Kevin et Cédric. Bonsoir à tous les six. Elle part vraiment toute seule, maman, demain? Qui veut me répondre? Oui, elle part toute seule. T'es sûre? Je sais pas, enfin, d'après, Ça te fait quoi de savoir que ta maman part seule après vous avoir élevé pendant plus de 15 ans? J'aurais bien voulu qu'elle reste à la maison, mais je veux aussi qu'elle soit heureuse. Elle va te manquer pendant un mois? Oui. Pourquoi? Mais parce qu'elle est toujours là, on a toujours besoin d'une mère, de toute façon. Ouais. Et comment on fait quand on a besoin d'une mère et qu'on est 6 à avoir le même âge et la demander en même temps? Eh bah, on attend son tour, hein, c'est pas... C'est long, parfois? Oui. Ouais. Toi, c'est Mélanie? Oui. À côté de toi? Coralie. Coralie, ensuite, vas-y, présente-nous tes soeurs et frères. Dorian, Gaël, Kevin et Cédric. Ouais. Vous êtes les seuls sextuplés de France? Oui. C'est quoi? C'est une fierté? C'est une calamité? C'est quoi, pour vous? Mais, c'est normal, on a l'habitude, depuis qu'on est tout petit, soit on dit rien parce qu'on nous connaît pas, ou soit c'est les sextuplés, donc... on a vicié, quoi. Cédric, tu trouves ça relou, toi? Ouais, j'aime pas. Pourquoi? Tout le monde nous regarde et... J'aime pas. Je préfère être tout seul avec Kevin ou une sœur, c'est tout. Ah oui, tu n'aimes pas être avec toute la troupe? Non, j'aime pas. Pourquoi? Ça fait justement... Tout le monde nous regarde, j'aime pas. Mais t'as l'impression de pas exister, toi, individuellement? Ouais, je vais être tout seul. De qui tu es le plus proche dans ta fratrie? Avec mon frère. Avec ton frère, donc deux frères et quatre filles. C'est vraiment séparé en deux, comme ça, les filles et les garçons? Gaëlle? Bah, de temps en temps, non, parce qu'il y en a qui se... Comme Mélanie et Dorian, elles s'aiment bien toutes les deux, elles restent toujours toutes seules. Toutes les deux. Oui, mais... toutes seules à deux, ça c'est un truc de sextuplé, ça. Vous vous sentez très proches, comme des jumeaux, par exemple? Non, je pense pas, non. On est comme des frères et sœurs, tout simplement. On se considère pas comme six, tous... Ouais. Enfin, vous avez vécu dans le même ventre? Oui, mais... Ouais. Non, il n'y a pas d'une complicité dingue comme ça. Vous imaginez facilement de vous séparer les uns des autres? Vous avez des amis différents, Mélanie? Oui, parce qu'en fait, on n'aime pas déjà être tous les six, parce qu'à chaque fois, on nous dit c'est les sextuplés. Donc nous, déjà, rien que ça, ça nous gêne. Ou alors, faut faire un groupe de rock, sinon, un truc comme ça qui est du centre. Oui, mais bon, nous, on préfère faire chacun notre vie. Puis voilà. Bon, si quelqu'un a besoin d'aide, on sera toujours là, mais voilà, on préfère faire notre vie. Est-ce que votre maman vous a toujours donné une affection et une attention identique? Oui. Oh, quelle super maman. Il est d'accord, Cédric, qui trouve ça un peu relou? Oui. Oui. Kevin? Moi, oui. T'as pas l'impression d'avoir manqué d'affection? Non, pas du tout. Ça fait pas un peu beaucoup, 6 enfants pour une seule maman? Oui, beaucoup même. Ouais. Alors comment tu fais? Toi aussi, t'as attendu ton tour parfois? Oui. Et comment tu te raisonnais quand t'attendais ton tour de câlin, ton tour d'attention, toi? Bah, on faisait avec, hein. C'était comme ça, quoi? Oui, on attendait, on pensait tout. Alors, qui était privilégié? Aucun. Personne, c'est une bonne réponse. Vous êtes toujours efforcé, justement, d'être le plus équilibré possible entre six, parce qu'il faut gérer, hein, quand même, les temps de parole, si on peut dire. Voilà, bah, disons que tout petit, ça va encore, parce qu'on en prend un, on fait un petit temps un petit peu avec un, avec l'autre. Que là, quand il y a des moments, quand ils rentrent de l'école, ils me disent « Maman, il y a un machin qui a fait ça, un tel, elle a fait ça, l'autre, elle a fait ça. » La deuxième a rentré. Maman, elle a fait ça. J'ai fait, je sais, ça y est, on me l'a dit. Le troisième qui rentre, il y a un machin qui m'a fait ça. L'autre, je sais, ça y est, j'ai compris. Il faut qu'ils le disent tous les six. Ouais. Et moi, c'est pareil. Si j'ai quelque chose à leur demander, si je ne l'ai pas dit six fois, ils n'ont pas compris.
je le dis, il faut que je le répète 6 fois. Alors, il y a des moments où je les appelle tous les 6, je le dis une fois, je vous l'ai dit une fois, hein, me dites pas que je vous l'ai pas dit. Hein. Je reviens, bah, t'as pas fait ça, tu me l'as pas dit. À chaque fois, il faut que je le dise 6 fois. Et ça, c'est usant. Ils sont organisés quand même. C'est usant. Ou leur dire toujours, range-ci, faites ta chambre, c'est les crados, range ça, t'as fait ton cartable, t'as fait ton... Ah non, bah tu nous l'as pas dit. Et c'est tous les jours, et c'est usant, usant, parce qu'une fois ça va, deux fois mais, ça non, va. Mais vous savez pourquoi on vous croit pas, parce que vous avez l'air en pleine forme, en fait. Ah hein. Non, ouais, ben bah, disons que... Faut avoir de la vie, hein. Oui, mais vous avez et pas l'air fatiguée du tout, hein. Ah non, ça va, oh, on m'a maquillée, j'en vais laisser. Non, vous avez l'œil qui brille et tout, non, vous êtes une vraie pub pour les sextuplés, en fait. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ouais. Non, bah, disons, quand on a des enfants, on essaie quand même d'être là pour eux. Parce que c'est vrai que moi, ça a toujours été ma vie. De toute façon, en priorité, c'est mes enfants. De toute façon, ça a toujours été. Sinon, je ne les aurais pas emmenés avec moi. Mais ils le savent bien, de toute façon. Et c'est pour ça qu'à des moments, ils me... Hein. La question de la réduction embryonnaire, si on remonte tout à la jeunesse des choses, c'est une question qu'on pose à beaucoup de mamans qui ont 3, 4 embryons dans le ventre. Et on se dit, parfois 5, 6 ou plus. Vous, c'était 10. Et on se dit, il est probable que les 10 ne pourront pas vivre. Donc, on vous en a retiré 4. Oui, c'est ça. Et vous pensiez n'avoir que 3 enfants au total. Voilà. Sur les 6 embryons, on m'avait dit il y a 3 petits embryons, ils ne seront pas viables. Vous êtes contente d'en avoir 6 finalement ? Oui et non. Ça sera à refaire, je le referai pour mes enfants, parce qu'ils sont en bonne santé et j'aime mes enfants, c'est vrai. Mais pour ma vie à moi personnelle, non, je ne le referai pas parce que c'est trop dur. C'est trop dur à assumer parce que je ne vis que pour eux. Et j'arrive à un moment où je sature, j'en ai marre. Frédéric, comment vous réagissez à ce que dit Marie-Claude ? Oui, je comprends. Enfin, j'admire aussi hein, de voir tous ces enfants. C'est vrai que c'est beau. Vous avez fait appel à une réduction embryonnaire. Oui. Vous attendiez combien d'enfants, vous ? 3. 3, c'était vos premiers, comme dirait Léo ? Non, j'en avais déjà 2. Oui. Et je suis tombée enceinte de triplé, mais naturellement. Et donc, moi, j'étais contente. J'étais très contente. Au début, elle a vu des jumeaux, puis de suite, elle a vu effectivement qu'il y avait un troisième. Mais bon, ça s'est vite calmé parce que de suite, elle m'a dit, je pense qu'il y a un souci, vous allez avoir une décision difficile à prendre. Donc bon, donc elle m'a un peu expliqué. En fait, elle a vite appelé un professeur qui nous a reçus dès le lendemain pour nous dire qu'en fait, il y avait donc 3 embryons. Il y en avait un tout seul dans un embryon et 2 autres, des vrais jumeaux, en fait, dans l'autre œuf, je veux dire. Mais ils n'étaient pas du tout séparés. Les vrais jumeaux, généralement, il y a une petite membrane qui sépare. Et là, ils n'étaient pas du tout séparés. Donc le professeur qui nous a reçus nous a dit... Franco, voilà, donc j'ai rarement vu ça, j'ai vu qu'un seul cas, le même cas que vous. Donc vous avez le choix, soit on arrête la grossesse à ce stade-là, au début. Il avait peur que quoi, que les enfants soient aussi à moi ? Voilà, il n'a pas évoqué le mot, mais ah bon c'est ça c'était ça, voilà. Oui, oui. Les enfants soient accrochés par un de leurs membres, voilà, partie du corps. Accrochés, voilà, ouais. Et donc soit vous arrêtez la grossesse à ce stade-là, soit vous continuez... Mais bon, là, vous avez une chance sur 2 quand même d'avoir de gros soucis, quoi, d'avoir 1, 2, voire 3 enfants avec des handicaps. Alors que vous étiez contente d'avoir des triplés. Ah oui, moi j'étais contente, mais c'est vrai que de suite, on m'a évoqué un problème médical. Donc bon, déjà, j'ai dit qu'il faut faire attention. Et après, en soi, on m'a dit qu'on pouvait toujours faire une réduction embryonnaire. Donc il m'a expliqué, c'est-à-dire qu'on ne garde qu'un enfant sur les 3. Et voilà, tout en sachant que quand ils vont s'évacuer, vous risquez de perdre aussi le dernier. Donc voilà. Alors en fait, au cours de la 3e échographie, quelques semaines plus tard, les médecins sont finalement revenus sur le diagnostic initial. Ils ont découvert qu'il s'agissait en aucun cas de siamois, que les 3 enfants étaient viables. Est-ce que ce nouvel événement vous a fait revenir sur votre choix, votre décision, enfin même si elle avait été fortement influencée par le corps médical, de procéder donc à cette réduction embryonnaire ? Ben, là, c'est vrai que ça a été un moment assez difficile parce qu'à partir du moment où il y avait un problème médical, moi, je ne voulais pas tenter le risque, quoi. Je ne voulais pas risquer ça. Mais là, à ce moment-là, on m'a dit qu'il n'y a plus de problème médical. Je lui ai dit, à ce moment-là, je les garde. Mais bon, après, c'est là qu'il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées parce que j'ai eu des personnes qui m'ont donné un peu leur avis. J'ai mon mari qui était aussi un peu hésitant. Lui, il avait peur côté financier, il avait peur pour ma santé parce qu'il disait quand même que c'est des triplés. Donc, triplés, ça veut dire aussi des grands prématurés, donc toujours des risques. Donc, c'est vrai que ça a été une semaine où on ne savait plus trop où on en était. Quoi. Il fallait de toute façon se dépêcher. Si on voulait faire la réduction embryonnaire, on avait une semaine. Quelques jours, ouais. Voilà. Donc pendant cette semaine-là, j'étais un peu perdue. Moi, je demandais de l'aide un peu partout, des conseils. Et j'avais même fait appel à mon père, alors que c'est vrai qu'on n'est pas très proches, pour essayer de me faire conseiller. Qu'est-ce qui vous a fait décider ? Qu'est-ce qui vous a décidé ? C'est-à-dire qu'après, on s'est dit, bon, mon mari vous l'avait dit, bon, on reste comme ça, on n'en garde qu'un. Et puis moi, je voulais garder les 3. Donc on a dit, à ce moment-là, on garde les jumeaux comme ça. Et là, le docteur nous a dit, non, c'est peut-être pas un bon choix. Il nous a renvoyé vers un professeur et qui nous a expliqué
les problèmes que vit avoir des vrais jumeaux. Donc, après, compliqué, hein. Oui, c'était compliqué. Donc, du coup, après, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie de mettre toute la vie de ma famille en péril et on va faire ça, quoi. On va faire la réduction embryonnaire. Je n'ai pas à peine de m'entêter, de vouloir à tout prix faire quelque chose qui risque. Vous alliez, enfin, c'était vraiment un choix du cœur aussi Non. Non, c'est un choix de raison, quoi. Voilà, la raison. Et après coup, vous étiez dans quel état, non, d'esprit? Mais juste après l'intervention, ça, sur le coup même, oui, juste après, pendant l'intervention, déjà, c'était difficile. Et après, c'était pas sous anesthésie générale? Non, c'était prévu sous anesthésie générale, mais comme on m'a descendu au bloc trop tard, apparemment, la dame était un peu énervée. Donc elle m'a dit, oh, puisque c'est comme ça, je ne vous fais pas d'anesthésie générale. Pourquoi? Parce que c'est comme ça? Parce qu'elle... Elle était contre? Non, elle était pas. Enfin, non. Contre, je ne sais pas, mais elle voulait. Déjà, elle était énervée parce qu'on m'avait descendu de trop tard au bloc, donc apparemment, elle avait attendu, voilà, c'était pas ma faute. Donc elle a dit, mais c'est, on ne fait pas d'anesthésie générale, on fait juste. T'as pas comme nouvelle au dernier moment? Anesthésie locale. Bon. Et c'est vrai que pendant l'intervention, elle n'a pas arrêté de me dire, oh là là, que je n'aime pas faire ça, c'est. Oh, je préfère être ailleurs que faire ça. Mais j'avais lui dire, oui, moi aussi, c'est pas. Et après, elle disait, bon, ça y est, là, les jumeaux, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'était. De toute l'intervention, ça a été quand même tout difficile quand même. Je trouve qu'il n'y a eu aucun entourage psychologique, ni avant, ni après. Et c'est ça qui a été le plus difficile. Donc, mais c'est vrai, comme je disais, je n'ai pas trop réagi. Je crois, je ne sais pas si j'étais droguée par des médicaments, j'en sais rien. Non, mais à partir de quel moment vous avez commencé à vous reposer des questions? Alors, ben, une fois que c'était fait, je me suis dit, non, ça y est, de toute façon, maintenant, je vais me concentrer sur le bébé qui restait. Et puis voilà. C'est bien plus tard que c'est revenu à votre esprit, en fait? Après, c'est sûr que les jours qu'on subit, j'y pensais, tous les jours, j'y pensais un peu, c'était difficile. Puis plus le temps passe, plus j'arrive à atténuer, quoi. Puis je me dis, bon, j'ai eu un autre bébé, enfin, j'ai eu un bébé, ça va, tout va bien, il faut se concentrer sur lui, quoi. Mais, oui, mais ça n'a pas été facile pour vous, en tant que maman, de vous dire que... Bah, qu'il y a deux enfants qui pourraient être, voilà, là. Quoi. Ouais, ouais. Maintenant, le recul, c'est vrai que, comme je disais, à l'époque, quand on n'est pas concerné, on ne s'intéresse pas trop aux naissances multiples. Ouais. Donc, effectivement, j'ai cru qu'il restait à avoir de gros risques. Je me suis dit, bon, c'est vraiment trop risqué. Par la suite, j'ai vu après... Quand vous voyez tous ces enfants sur le plateau autour de vous. Ouais. Donc c'est, parfois, comme ça me fait un passement au cœur. Je me dis, il ne faut pas trop regretter, parce que de toute façon, c'est ça fait. Ça ne sert à rien. Voilà, ouais. Ça ne sert à rien. Mais pour conseiller aux autres mamans qui vous regardent, par exemple, aujourd'hui, aux autres papas aussi, qui ont leur mot à dire? Voilà, on ne peut pas conseiller de dire aux personnes, oui, il faut les garder, parce que si effectivement, il y a un problème médical après, mais... Mais là, en l'occurrence, ce n'était plus vraiment un problème médical. Non, il n'y a plus de problème médical. Je crois qu'en fait, moi, je me suis trop laissée influencer. Quand on est un peu perdu comme ça, on demande conseil un peu à tout le monde. Et je me suis trop laissée influencer par les autres personnes, je crois. Vous n'avez pas assez écouté votre propre cœur? Peut-être, voilà. Peut-être. Élise Charlemagne est avec nous dans cette assemblée. Elle est psychologue à la maternité du Port-Royal à Paris, dans une consultation spécialisée pour les enfants multiples. Où vous trouvez-vous, Élise? Je ne vous ai pas vu, pardon. Comment on procède à cette intervention exactement? Est-ce que ça se rapproche d'une IVG? Non, en fait, c'est quand même... Enfin, ce n'est pas assimilable à une IVG dans le sens où... Le choix d'une réduction embryonnaire, en fait, c'est le choix. On va vers la vie. On enlève certains embryons pour sauver la vie des autres. C'est toujours dans cet esprit-là que c'est fait, en tout cas. Toujours. Oui. 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 Alors, c'est vrai que c'est très... Quand il y a des triplés, c'est une décision difficile à prendre. Peut-être les médecins l'encouragent compte tenu des risques pédiatriques et obstétricaux. Mais bon, c'est... A priori, ça serait important à ce moment-là qu'il y ait vraiment une écoute psychologique pour savoir ce que la mère veut, enfin, qu'est-ce qu'elle décide, elle. Hein. Donc ça serait très important. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas eu du tout de soutien, ni pour moi, ni pour mon mari, je veux dire, ni avant, ni pendant, ni après. C'est, Oui, mais ça, c'est très grave. Pour vous, il y a un travail de deuil qui va accompagner la suppression d'un ou plusieurs embryons? Oh oui, il y a un travail de deuil qui est souvent difficile à faire pendant la grossesse, et qui se fait souvent après la naissance des enfants. Et il arrive vraiment que des fois, on reçoive des familles quand les enfants ont 5 ans et qui continuent à penser au bébé qui n'est pas né. Qui grandit dans leur tête, quoi. Voilà, voilà. Vous y pensez encore aujourd'hui? Oui, j'y pense de temps en temps, mais c'est vrai que plus le temps passe... avant, j'y pensais tous les jours. Oui. Maintenant, ça va. Après, c'est vrai, quand je croise des jumeaux, des triplés, chaque fois, j'ai un petit pincement au cœur, quoi. Oui. Intéressant de faire partager cette expérience quand même à celles et ceux qui nous regardent. Je rappelle qu'il y a de plus en plus, Élise, de naissances multiples, oui, en France. Oui, ouais, oui. Ouais. Vous les trouviez comment, les triplés, les quadruplés, les sextuplés sur ce plateau? Oh, ben, ils sont magnifiques. Tu les entends parler entre eux, c'est vraiment intéressant. Effectivement, c'est un petit peu douloureux là, de parler de réduction embryonnaire, ouais, ouais. Quand on les voit
si beau. Voilà. Mais elle est quand même très importante, la réduction embryonnaire, dans certains cas. Oui, il faut bien rappeler que c'est surtout, évidemment, pour le bon développement des autres et parfois même pour la survie des autres, évidemment. Loïc, tu en es contente de tes triplés ou est-ce que tu préférais avoir qu'un seul petit frère, par exemple? Je veux bien en avoir plusieurs, mais il faut qu'il se calme un peu aussi pour... Tu entends ce que dit ton frère? Il voudrait que vous vous calmiez un petit peu. Tout le temps, je leur dis ça, puis ils se calment toujours pas. Ah ouais. Mais t'arrives pas à faire jouer ton autorité naturelle? Non. Ta force? Parfois, je la... Je t'en sers? Oui. Puis parfois, je m'en sers pas, je suis obligée d'appeler. Ouais. Je suis obligée d'appeler soit mon papa, soit ma maman. Ouais, parce que l'union fait la force en face. Ils sont trois. Et quand tu étais plus petit, quand tes frères étaient encore des bébés, tu as des souvenirs de tout ça? Quand j'étais petit, est-ce que tu aidais ta maman, ton papa? Oui, quand je l'aidais à donner les biberons... Ah, tu faisais ça, toi? Fou. Si, c'est pas mignon. Tu te souviens de ça, cette période? Tu t'en souviens? Non. T'étais petit, là. Hein. Pas celle-là. C'est pas celle-là. Là, tu devais avoir 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Ouais. Ils sont tout petits, ils viennent d'arriver sur Terre, là. Ils viennent de rentrer à la maison. Ouais. Il vous a aidé, Loïc, alors. Il vous a beaucoup aidé. Il avait quel âge? 4 ans? Il avait 2 ans quand ils sont rentrés de la maternité. Mais quand il a commencé à vous aider, il avait quel âge? Tout de suite. Ah oui? Tout de suite. Il s'y est mis tout de suite. Il a été très frustré de ne pas pouvoir les voir à la maternité puisqu'ils sont restés 2 mois en service de grand préma. Et puis, dès qu'ils sont rentrés, il a fallu tout de suite qu'ils s'investissent, donner les biberons, essayer de changer les couches. Il s'y est mis tout de suite. Ça fait quoi pour un enfant qui était tout seul avec ses parents, de voir 3 arriver d'un coup? C'est pas évident. Au départ, il s'y est mis très, très bien. Ça s'est très, très bien passé. Et puis, ça s'est gâté quand ils sont rentrés à la maternelle, quand lui était déjà à la maternelle. Quand ils ont grandi, surtout. Hein. Oui. Ils étaient moins sages, là. Oui. Puis, quand ils sont arrivés dans mon école l'année dernière... Ça devenait quand même un peu plus lourd. À gérer, oui. Tu dis qu'ils font le beans. Ils font le beans? Oui. Qu'est-ce que t'appelles le beans? Le bordel. Le bordel, d'accord. On dit ça en Belgique, dans le Nord. Le beans, oui. Ils foutent le beans, oui. Le beans. C'est un drôle de beans. Oui. Quel genre de drôle de beans? Bah, comme taper dans ma porte pour qu'ils... Jusqu'à ce que je leur dise de rentrer dans ma chambre parce que je veux pas qu'ils y aillent. Alors, je suis obligée de crier pour qu'ils arrêtent. Et c'est souvent, ça? Enfin, surtout quand je crie, ils obéissent pas. Faut que quelqu'un monte. D'accord. Pourquoi vous faites le beans comme ça avec Loïc? Tu sais pas? Pour t'amuser, c'est à mon avis. C'est la glu de Loïc. C'est la glu de Loïc? Ah, ah bon? T'es toujours derrière? Ah, il est toujours derrière toi. Oui, tout le temps. Surtout Geoffrey. On le voit d'ailleurs même là, sur la photo, c'est Geoffrey qui est collé à côté. Hein. Ouais. Alors pendant 2 ans, donc, tu as eu ton papa et ta maman pour toi tout seul, et puis les triplés sont arrivés, tu dois défendre ton territoire contre ces petits envahisseurs qui veulent partager plein de choses avec toi en permanence, Geoffrey en tête, mais les deux autres aussi. Alors pour t'y aider, tes parents, ils sont sympas, mais c'est tout récent, avant ils n'étaient pas sympas, maintenant ils sont super sympas. On a fait un gros effort. Vous avez fait un gros effort, vous avez décidé de déménager dans une nouvelle maison, chacun des triplés va avoir sa chambre, toi ton étage. Oui, bah depuis ça a changé. Ah bon, bah, super. C'est tout récent. Alors on est venu te voir la veille de ce déménagement, donc ce qui explique que dans ton ancienne maison, il n'y a plus beaucoup de meubles. Et puis non, ensuite, on a vu comment vous avez fait ensemble. De toute façon, il n'y a plus rien. D'accord. Tout est dans les cartons. D'accord. Donc rendez-vous à Lunéville, donc dans vos deux maisons, l'ancienne et la nouvelle. Reportage d'Olivier Martinet et d'Omblin Rousseau. Depuis l'arrivée simultanée de ses 3 petits frères, Mathias, Ronan et Geoffrey, Loïc, 9 ans, en pull bleu, a bien du mal à vivre au calme. C'est qui le plus turbulent, alors? Qui est le plus sage à la maison? Moi. Non, moi, je vais dire le plus sage. Allez, je vais voter, je vais dire c'est Loïc. Anna. Ah, si. Anna. Mathias, tu bouges trop dans la salle. Qui c'est qui fait la vie? Et puis quoi encore? C'est toi qui casse ma porte pour entrer dans ma chambre, alors tu vois. Oui, moi, alors. Je la casse pas. Mais en quoi ça te concerne, ce que fait Loïc le soir? Loïc, il est plus grand. Quel âge il a, Loïc? Il est venu. Parce que Geoffrey, il ouvrait, il toquait dans la porte. Loïc, il a pas le même âge que vous. Il fait pas la même chose que vous, il a le droit. Filez-le. Mathias, s'il te plaît. Allez, pourquoi tu sors de table avant les autres? Parce qu'il n'arrête pas de m'embêter quand il sort de table, donc je sors plus tôt. Quand je suis dans ma chambre, il tape dans la porte, il tape dans une mur jusqu'à ce que je leur dise de venir dans ma chambre. Quand je vais chez mamie tout seul, il râle parce que j'y vais tout seul.
Et ils font tout pour m'embêter. Loïc est en CM1 et ses frères au CP. Lorsqu'il prend le bus pour aller à l'école, il aimerait bien côtoyer les enfants de son âge, mais pas moyen. Les triplés ne veulent pas le lâcher. Oui, quoi ? Mais lâche-moi ! Parce que... Comment ça se passe avec tes frères quand tu veux discuter avec des copains ? Eh ben, ils viennent et puis ils m'embêtent. Tu vois, mais c'est tout le temps comme ça ! Comme j'ai discuté ! Tu discutes souvent avec eux ? Tout le temps. Pas souvent, tout le temps. Et ça commence. Mais mon Dieu, faut que j'aille où pour qu'ils arrêtent? J'ai perdu 5 copains parce que mes frères, ils collent toujours. Et tes copains, ça les énerve? Et puis oui, puis j'en ai perdu plein. Et pourquoi vous le laissez pas tranquille alors, il perd tous ses copains? Bah, c'est pas à cause de nous. Pourquoi? Non. Paradoxalement, à l'heure des devoirs, Loïc préfère le contact bruyant de ses frères plutôt que l'isolement qui l'éloignerait aussi de ses parents. Maman, ça s'est arrêté ou pas? Stop. Maman, ça s'est... Oui. Le bébé de la bouche et un moucheron. Tiens, c'est la tienne en même temps, Geoffrey. Donc on la fera après. Oh. Arrête! Oui, comment tu veux qu'il travaille? Hé, hey, dis donc, comment tu fais pour travailler au milieu de ce brouhaha? Je travaille comme je peux. Hein? Je fais comme je peux pour travailler. On est que moi. Parce qu'il y a des fois où il manifeste l'envie d'être tout seul. Mais pour les devoirs, il pourrait, hein? Être tout seul. Mais là, t'as envie de faire tes devoirs tout seul dans ta chambre? J'ai oublié quelque chose. D'habitude, qu'est-ce que tu dis quand je te dis d'aller faire tes devoirs dans ta chambre? Mais j'ai parfois non. Ouais, t'as pas envie. Et pourquoi? Parce que t'aimes bien qu'on soit tous ensemble. Non, mais pour retenir les leçons, c'est mieux d'être dans ta chambre. Quand même. Oui? Donc il faut que tu apprennes tes leçons dans ta chambre. Oui. Dis-moi, des fois j'en ai marre, je voudrais bien être tranquille. J'aimerais de temps en temps, c'est déjà arrivé qu'on fasse une journée juste avec lui, avec son papa. Et quand ça? Il y a longtemps, c'est vrai qu'il y a longtemps. Quand j'avais 4-5 ans? Bah oui, parce que c'est vrai que... 3, 1 an, quand j'étais née. Non, t'as des souvenirs quand même. De quoi, quand? De quand on a pu se faire des sorties. Pour aider Loïc à trouver sa place dans ce nouveau contexte familial, ses parents ont éprouvé le besoin de lui faire rencontrer régulièrement un pédopsychiatre. Loïc, c'était un garçon sage. Et puis, il souffrait de petites choses désagréables que dans notre jargon, on appelle énurésie ou pipi au lit, autrement dit. Hein. Mais il a coopéré très, très facilement au traitement et en quelques semaines, enfin, tout était fini. Ça a été rapide, hein. Oui. C'est souvent le cas pour n'importe quel enfant quand il est désagréablement surpris par un événement qui n'attend pas ou quand quelque chose se passe dans sa tête. Enfin, un appel discret à sa mère, en quelque sorte. Oui. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'il n'est jamais tranquille, quoi, en fait. Est-ce qu'il va quand même réussir à s'épanouir en dehors de ça, quoi? C'est quand même assez lourd pour lui. Maintenant, il arrive à m'en parler, à me le dire, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que toi, tu les laisses pas tomber, des fois, tes petits frères, hein? Tu penses qu'ils ont toujours besoin de... Ça tombe comme ça. Tu penses qu'ils ont toujours besoin de toi? Quelque sorte, oui. Hein? Peut-être que t'as l'impression que tu leur es indispensable, hein? Hein? Tu es comme ta mère, quoi, hein? Tu pourrais faire l'indifférent, tu pourrais faire... pourrais dire peut-être aller au foot sans leur dire où tu vas, tu pourrais... Bon, aller chez ton copain ou tes copains sans leur dire forcément où tu vas. Tu as ta vie à toi. Mmh. Je pense qu'il a toujours besoin de les rassurer, quelque part. Quand? Quoi? Qui? Voilà. Qui? Hein? Ouais. C'est ça? Comme ta mère. Il est comme sa mère. Il se fait énormément de soucis. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir 3 frères à la maison? Marc est peut-être en train de dessiner la réponse. Hein? Le pauvre oiseau sur sa branche. Hein? Qui se fait bouffer. C'est une branche? C'est quoi? Une baleine. Il y a une part de violence quand même, une part de menace, hein, sur ce petit oiseau charmant et innocent qui tourne le dos à l'ennemi en quelque sorte et qui va dans quelques secondes se faire bouffer. Merci. Allez hop. Les lunettes. Et on lit. Mathias. Tu ranges la serviette. Allez, on lit. Vas-y, rince-toi les dents. Tu te souviens ce que c'est? C'est une pilule, tu sais ce que c'est? Oui. La pilule? Maman, elle t'a expliqué l'autre jour, oui, c'est pourquoi? Il y a un truc
pour avoir des bébés. Ouais. Tu me dis pas que t'en vas en avoir un. Pourquoi? Est-ce que t'aimerais bien avoir un petit frère ou une petite soeur de plus? Vraiment, franchement. Non. Non, et pourquoi? Parce que j'en ai assez sur le dos. Ah ouais. T'en as assez sur le dos, pourquoi ils t'embêtent tant que ça, tes frères? Oui. Tu me dis tout ça parce que tu vas en avoir un ou... Non, non, maman et papa, ils en veulent plus non plus. Ah ouf. Je pense qu'on est assez nombreux comme ça. Ah oui. On est bien quand même, à 6 comme ça. Oui. Non, jusqu'au 9, là, moins le quart, t'as un quart d'heure pour lire. Dépêche-toi. Difficile de lire avec l'agitation que font régner ses frères dans la chambre à côté. Bon, je te laisse. Bah, super. Oui, allez. Au lit. Non, au lit. On fait comme ça. Mais... Oh, c'est vous. Ronan, ça suffit. Vous allez pas recommencer comme tous les soirs, il y en a marre. Ah oui, là. Ouais, ça, c'était... Là, voilà. Les trois dans le transat, et alors ça, c'est à l'éclater. Au début, c'était vraiment... Oh, alors, j'ai beaucoup culpabilisé quand les enfants sont rentrés à la maison. Parce que je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup de temps pour m'occuper de Loïc, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il a une façon de faire. Je sais pas si tu te souviens, mais il est arrivé dans la chambre des enfants au moment où j'étais en train d'en changer un. J'avais même pas le temps de dire quoi que ce soit. Il venait, maman, il me regardait, puis il regardait les petits frères, voilà. Il disait... En lui-même, il devait se dire, bon, moi, je plus tard, parce que j'étais occupé. Quoi. Je retourne dans ma chambre jouer, ou je retourne à ce que je fais, mais... Il a toujours été facile, pour ça. Ouais, il était toujours très compréhensif. Ouais. Bah, dès qu'ils ont commencé... Les rapports ont commencé à changer, vraiment. Dès qu'ils ont commencé à marcher, à manger son environnement... Mais vraiment, ça a été net, c'est quand ils sont rentrés à la maternelle. Quand Loïc était en grande section de maternelle, et quand les petits l'ont, je vais dire entre parenthèses, également envahi dans son univers scolaire, là, ça a commencé à pu aller très très bien. Quoi. Là, l'école, il s'est dit même lui, là, il pas ses frères. Ses frères, ils avaient pour lui l'école, mais pas tout de suite. L'école, elle est à moi, les maîtresses, elles sont à moi. C'est un truc qu'ils connaissent pas. Et on essaie de récupérer. Ça monte pas. Ils font le bins en haut. Oui. Ma papa, il va monter. On va calmer le jeu. C'est quoi? Je vous entends jusqu'en bas. Ce matin, les enfants découvrent leur nouvelle maison. Pour éviter le chahut, chaque enfant aura désormais sa chambre et Loïc son propre étage. Voilà. Allez, hop, chacun dans sa chambre. Hé, il y a tout le monde là qu'on connaît là. Ah oui, hein. Les autres, ils seront où? Ils seront avec toi? Bah non, je ferai aller là-bas, tout ce qui est là-bas. On est chacun dans une chambre. J'ai gagné un baby foot. Ça va un peu? C'est le beat aussi, je suppose. Ah oh, bah non, toi, ça va encore. Oui, encore. Toi, t'es tranquille, hein? Et pour longtemps. Ah, c'est cool, hein? Et pour longtemps? Oui. Ce soir, tu vas te coucher, ils vont pas taper dans les murs. Oh, super. Ça va être génial. Ça te fait quoi de savoir que tu vas être tranquille et que tes frères pourront plus t'embêter? Je sais pas, ça c'est pas encore arrivé, donc je vais savoir cette nuit. Alors? Ça c'était il y a quelques jours. Alors comment ça se passe les nuits? Y a plus de toc-toc dans les murs, il y a plus... Il parle plus, Mathias il crie pas dans la chambre. Parce qu'avant, Mathias, s'il criait dans les chambres, Geoffrey parlait tout bas parce que, comme si j'entendais pas, puis Ronan toc-toc dans le mur. Ah, chacun avait son petit rôle, quoi. Mmh. Oui, puis Ronan. Puis. Quoi? Puis. Je faisais pas exprès, hein. Tu faisais pas exprès de quoi? De taper dans le mur. Ah bon? Et puis tu fais semblant de dormir quand papa ou maman elle monte. Ah non. Non, tu fais pas semblant de dormir? Bah non. Ah bon? Qu'est-ce que tu penses de ton grand frère? Tu trouves qu'il est gentil avec vous? Ouais. Dis la vérité, ce que tu penses vraiment. Non. Ça va pas, non? Non, tu dis, toi? Non, si, non. Ça va? Si. Non, non. Si. Si, ça va. Pourquoi non? Parce qu'il nous embête tout le temps. Comment il t'embête? Ah non, moi je trouve pas, non. Hein. Ah bon? Ah non, hein. Il est gentil, hein. Ah bon. Vous êtes comment dans votre chambre, chacun séparé? Dans la nouvelle? Ouais. Maison? Bah, moi je dors bien.
D'accord. T'es pas triste d'être séparée de tes deux frères? Oui. T'es content ou t'es triste? Je suis content. Ah bon, d'accord. On va revenir un peu à la genèse de tout ça. Quand Loïc avait donc 2 ans, quand vous avez appris que vous étiez enceinte de triplé, comment vous l'avez préparé donc à l'arrivée de 3 frères d'un coup dans la famille? Eh bien, à 2 ans, c'est pas évident d'annoncer un petit bonhomme. Et on a essayé de lui apprendre à compter jusque 3, donc par tous les moyens. Donc on montait les escaliers par 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans la rue aussi, on faisait marcher 1, 2, 3, puis on faisait sauter à 3, donc pour que ça rentre bien. Et ça rentrait? Ça rentrait bien. Qu'est-ce qu'il comprenait de tout ça? Pas trop. Ça a pris plus de consistance quand il a découvert les lits des petits frères donc dans la chambre. Il s'est investi complètement. Et c'est vrai, il a vraiment réalisé au moment où ils sont revenus, donc tous les 3 à la maison, où il a vu les 3 transats dans la salle. Plusieurs semaines, donc après la naissance. Donc 2 mois, 1 semaine, ils étaient réunis tous les 3 à la maison. Et il arrivait dans la salle en disant oh, 1, 2, 4, 5 bébés. Et là, on a dit non, juste 3, juste c'est suffisant. 1, 2, 4, 5, il manquait juste 3, hein, comme par hasard. Parce que là, il avait zappé. Oui, ça, c'est l'inconscient qui parle. Oui. Comment vous avez fait depuis qu'il est tout petit, depuis l'arrivée des jumeaux, et jusqu'à maintenant, pour trouver toujours du temps à consacrer à Loïc? Au début, moi personnellement, comme j'étais beaucoup investie avec les triplés, j'ai gardé vraiment l'histoire du soir. Donc il avait l'habitude le soir que je lui lise une histoire, on participait bien à l'histoire, on faisait du bruit, enfin plein de choses. Et ça, j'ai vraiment gardé ce moment-là. Donc mon mari s'occupait des petits pendant que moi je faisais l'histoire du soir pour vraiment garder ce moment. C'est le seul moment que je pouvais garder d'ailleurs dans la journée. On séparait les 3 triplés pour, du point de vue des parents. Est-ce que c'est une bonne chose de qu'ils aient chacun leur chambre ou est-ce que ça a été difficile déjà pour eux? Sincèrement, ça fait pas longtemps que nous sommes dans la maison, mais c'est magique. Moi, je trouve ça magique. On les couche le soir, ça dort tout de suite. Je découvre ça. Ah oui, si vous voulez faire quelque chose, mettez des cloisons. C'est très efficace. Très efficace. Ça fait rêver, c'est vrai. Ça fait rêver, ça donne de l'espoir. Hein. Oui. Projetez-vous 5 ans plus tard, parce que les vôtres ont 2 ans et les triplés 7. En règle générale, est-ce que les séparer, c'est compliqué? Pas du tout. Non. Ils ont un caractère tout à fait différent. Et nous avons la chance d'avoir donc papy et mamie tout près. Et qu'ils les prennent très souvent par 2, en changeant bien sûr les couples. Et il n'y a aucun souci. Pour ne pas faire en sorte qu'il y en ait 2 et 1 d'un côté. Jamais de privilégié. Oui. Excusez-moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez jamais pensé à ne pas les mettre dans la même école que Loïc? On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix? Il n'y a pas une autre école proche? Une dérogation ne serait pas possible? Parce que franchement, ce serait bien. Le souci, c'est le souci matériel. Il aurait fallu pouvoir... ils prennent le bus, en fait, pour aller à l'école. Et il n'y a qu'à cette école qu'il va, ce bus. Parce que moi, donc il faudrait quartier, en plus qu'en fait écoles, donc vous voyez. Vous avez séparé vos jumeaux, vous, Léo? Non, l'année dernière, ils étaient même dans la même classe. Cette année, ils sont dans 2 classes différentes. Ça fait le bonheur de l'une et pas du tout de l'autre. Ah bon? Oui. Ah, donc c'est encore plus compliqué. Enfin, il y a encore quelque chose de complexe qui va s'ajouter à la complexité de la situation, oui, quoi. Que c'est différemment ressenti par l'un et l'autre. Mais Loïc, toi, tu serais content s'ils n'étaient pas dans la même école, hein? Oui, quand même, un petit peu. Je le sens, ça. Ouais. Et puis ça friterait moins à l'arrêt de bus, hein, parce qu'on a vu que c'était physique à l'arrêt de bus. À l'arrêt de bus, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, hein? Ça, c'est les petits qui posent la question. 3 fois, évidemment, oui. Bah, oui. Logique. Mais d'ici 2 ans, il y aura la rentrée en 6e encore, donc il va être... Là, il y aura le changement d'école, oui, forcément. Oui, je pense. Tiens bon, Loïc, t'as plus de 2 ans. C'est compliqué de les séparer, les triplés, pour vous? Ils aiment bien être ensemble? Bah, vous verrez quand ils seront plus grands. Quand tu dis? Quand ils seront plus grands, ils vont faire plus de bins. Hein. Ça promet, parce que là, déjà, ils sont bien. Hein. Ils sont en loge, je ne sais pas si on les a en image, on verra si on les retrouve dans un instant. Je vais demander à Priscille de venir nous rejoindre pour nous expliquer son histoire. Venez, Priscille. Tous les encouragements du 102 qui est pleine forme. Bonsoir, bienvenue. Ça fait, asseyez-vous. Ah voilà les petits derrière. Si vous avez des nouvelles, Christophe et Sylvie, de vos enfants, donc ils sont derrière, ça a l'air d'aller. Hein. Apparemment, ça va. Voilà. Et puis, ils nous regardent à la télé, voilà. Tant qu'ils ont à manger, ça va tout le temps. Tant qu'ils ont à manger, ça va tout le temps. Bon. Priscille, quel regard vous portez sur la situation de Loïc, par exemple? C'est-à-dire que moi, ma situation est très différente en ce sens que moi, j'ai des sœurs qui sont jumelles, mais mes sœurs ont 8 ans de plus. Donc, en fait, toute la situation est inversée. C'est vrai que le pauvre, en fait, sa situation aujourd'hui, je le vis un peu avec mes enfants, parce que j'ai des jumeaux de 2 ans et une petite fille de 4 mois. Donc,
Je comprends qu'il est un peu mangé de partout, qu'il a du mal à se faire une place, qu'il est très dur de se faire une place face à cet univers que sont des triplés, des jumeaux, parce qu'ils font quand même bloc face à un être seul. Donc il y a deux grandes sœurs qui sont arrivées, deux sœurs jumelles, voilà. Très proches l'une de l'autre. Vous êtes arrivées combien de temps après vous? Et moi, je suis arrivée 8 ans après. Oui. On était très, très séparés, mais vous verrez, il y a des photos. On est, ça, ce sont mes jumeaux et ma petite fille. Et, oui, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez vraiment souffert de cette situation quand vous étiez petite, vous étiez très seule. C'était ma terreur. Quand j'ai rencontré mon mari, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit « Est-ce qu'il y a des jumeaux dans ta famille ?» Il m'a dit « Non, bien sûr, c'était faux. Les sœurs de sa maman étaient jumelles. » Déjà, ça commence très mal. Ouais. Et puis après, on nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. On a fait appel à la médecine, bien sûr fécondation in vitro, et on a eu des jumeaux. Donc ouais. Bon, voilà. Et puis Pauline est arrivée toute seule, donc non, est-ce qu'on a du mal à comprendre, Priscille, c'est combien ça vous a fait souffrir pendant votre enfance et votre adolescence, moi, jusqu'à 18 ans, vous. Voilà, moi c'était vraiment ma terreur, c'était de me dire je ne veux pas avoir de jumeaux. Quoi. Mais pourquoi qu'est-ce que vous avez vécu avec vos sœurs qui vous a terrorisé à ce point? Parce que c'était un bloc, parce que c'était deux. C'est-à-dire que donc j'ai pas de sœurs, de frères ou de sœurs après. Donc il y avait mes parents qui étaient deux, mes sœurs deux et moi. Seule. Et seule. Et donc c'était vraiment, ça faisait deux blocs et puis une petite toute seule. Et à cette époque, en plus, les jumeaux étaient un phénomène assez rare, quoi, beaucoup moins que les quadruplés. Oui. Mais c'est quand même assez... on vous regarde dans la rue, on est quand même un peu stupéfait par vous. Donc la famille, quand on parlait de nous, on parlait des jumelles. Parce que c'était, et vous, c'était drôle. Et puis moi, j'étais la petite dernière qui suivait, quoi. Ouais. Et puis, donc c'est vraiment... je pense que j'ai eu un lien avec elle qui a commencé à se créer le jour où il y en a une qui s'est mariée. Donc elle est partie de la maison. Très tard, alors. Donc très tard. Et à ce moment-là, je me suis un peu rapprochée de l'autre parce que j'ai réussi à faire un peu mon creux, mon petit trou dans la famille. Ouais. Et en fait, ça ne peut jamais marcher par trois. On n'a jamais fonctionné par trois. Soit elles s'entendent très bien toutes les deux, soit c'est moi et l'une, soit c'est moi et l'autre. Mais c'est très rare que ce soit toutes les trois uniformes. Mais quand vous êtes toutes les trois ensemble, qu'est-ce qui se passe alors? Ah bah ça se passe, mais parce que vous voyez souvent. On se voit jamais toutes les trois. On déjeune jamais toutes les trois ensemble ou autre. On se voit plus par deux. Mais par trois. Elles ont une complicité entre elles que vous n'avez pas avec chacune d'entre elles. Il y a quelque chose entre elles qui existe, qui se défera pas, quoi, que moi je ne peux pas défaire et que je ne peux pas me lier ou essayer de m'insérer. Qui vous exclut, quoi, qui vous êtes senti exclu. Voilà, en plus, la côté pratique, c'est que, donc, comme vous constatez, je me ressemble beaucoup avec une jumelle. Ah bah oui, c'est ça. Donc quand les gens nous croisent dans la rue, quand les gens savaient qu'il y avait des jumelles par la suite, quand je suis devenue adulte, les gens disaient « Ah bah toi, c'est la jumelle ». Ah non, moi, je ne suis pas du tout la jumelle. Ah, la jumelle, c'est l'autre. C'est vrai que là, les deux jumelles, elles ne se ressemblent pas beaucoup. Elles ne se ressemblent pas du tout. Mais c'est des dizygotes. Ce sont des dizygotes. Oui, des fausses jumelles. Voilà. Et c'est vrai qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a... Bon, je n'arrivais pas à rentrer dans leur jeu. Ouais. Et pourtant, les gens cherchaient un peu à me faire rentrer dans ce jeu-là parce que je ressemblais beaucoup à l'une d'entre elles, quoi. Donc ouais, vous l'avez dit à vos sœurs à un moment, de votre jeunesse, que c'était super dur pour vous de trouver votre place dans la famille. Oui, mais je pense à quel moment vous l'avez dit ? Elles ont jamais réalisé qu'elles formaient un bloc. Pour elles, c'était quand on a eu des épreuves, etc. Elles ont toujours été une et moi seule. Et puis quand mon mari me dit, t'as toujours cherché à t'exclure. Mais on s'exclut sans s'exclure, quoi, parce qu'on sent qu'on n'a pas sa place. Et Loïc, c'est un peu ça, quoi. Loïc, il a trois frères qui le rongent, etc. Même s'il cherche à avoir des liens avec l'un, c'est pas sûr que ces liens vont vraiment se créer, parce que les trois autres, ils sont unis d'une façon qu'on... Qu'est-ce que t'en penses, Loïc, ce que raconte Priscille? Ce qu'elle raconte, c'est vrai qu'ils me rongent. C'est des rats, et puis moi, je suis du bois. C'est des rats. Alors quand vous avez appris que vous étiez enceinte de jumeaux, comment vous avez réagi? Déjà, je me suis dit génial, je suis enceinte. Donc pour le premier choc, ça a été ça. Et puis après, échographie... Il y en a deux. Il y en a deux. Donc bon, comme tous parents qui sont passés par des traitements, on est folle de joie. Et vraiment, aujourd'hui, je le dis haut et fort, c'est fabuleux d'être parent de jumeaux. Mais c'est très dur d'avoir des frères et sœurs jumeaux. Alors ils ont, ces jumeaux, une petite... Une petite sœur. Une petite sœur qui est arrivée combien de temps après eux?
qui est arrivé 22 mois après eux. Ah oui, le plus vite possible, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas du tout et ça a été le cadeau du ciel. Oui. Voilà. Vous l'avez souhaité quand même, avoir des sens rapprochés. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on s'était dit, si jamais il y a un troisième, si jamais on peut avoir cette chance d'avoir un troisième enfant, on fera tout pour qu'il soit très proche. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Oui. De façon à ce qu'il n'y ait pas trop de distance, comme, de façon à ce qu'il n'y ait pas deux et un. C'est-à-dire que Pauline ne serait pas arrivée tout de suite. Elle serait arrivée dans 8 ans ou je ne sais pas quoi. À ce moment-là, on aurait essayé de tenter un quatrième. Pourtant, Loïc dit que c'est oui. Deux ans d'écart, c'est peu. Effectivement, ils font beaucoup de choses ensemble, mais pour lui, un peu trop. Voilà. Mais c'est-à-dire que la différence que j'ai avec Loïc et ses frères, c'est que moi, les jumeaux sont en première étape et Pauline est après. C'est et vrai. En fait, Pauline est bébé aujourd'hui, donc j'ai tout mon temps à consacrer aux jumeaux. Je suis très disponible pour eux. Et comment ça fonctionne entre les trois? Remarquablement bien. Bon. J'ai une chance incroyable. Qu'en pensent vos jumelles, vos sœurs, je veux dire? Une des jumelles a eu des jumeaux. Voilà. Ça vous a pas rapproché d'elle le fait d'avoir des jumeaux et de connaître en tant que mère? Si, parce que maintenant, en fait, on a la même vie. Parce que, en fait, moi, je fais pas bloc avec mon mari, mais maintenant, je suis deux. Donc, vous êtes même cinq, donc je suis deux. Oui. Elles sont deux ou quatre, oui. Mais en fait, on. On forme un peu des binômes partout et c'est ça qui est beaucoup plus facile. Mais pour Pauline, je ferai en sorte de bien la faire vous rentrer. Vous serez vigilante, on a compris. Et vraiment, d'essayer de prendre au maximum les jumeaux comme un être unique. Pour bien les séparer et essayer au maximum, en tous les cas, de ne pas les appeler les jumeaux, de les nominer, de les nommer bien en permanence pour qu'elles, elles ne se disent pas « j'ai des frères jumeaux » et voilà. Quoi. Ouais. C'est comme les sextuplés qui disaient… Enfin, voilà. C'est comme tu t'appelles, toi, jeune homme. Tu disais que tu trouvais ça un peu relou, quoi, d'être appelé les sextuplés, pas par votre prénom, quoi, par votre identité propre. Voilà. On l'a entendu. J'ai quelques questions à Élise. Est-ce que vous êtes surprise par les récits qu'on entend, Élise? Non, pas du tout. Ça fonctionne. Bon. On vous entend. Vous avez une voix très douce. Oui. Non, c'est effectivement, en fait, la relation d'une mère à ses jumeaux. C'est, ben oui, il n'y a pas la relation souvent fusionnelle du début, c'est ce que tout à l'heure vous évoquiez. Il y a la fatigue nerveuse, la fatigue physique. À partir de deux, en fait, hein, pas seulement pour les oui, jumeaux, à partir de... Voilà, et... Ouais. Et voilà, deux bon, binômes, et voilà un binôme. Et du coup, tout ça fait que c'est difficile d'avoir une disponibilité et puis de s'adapter au rythme des enfants. Et souvent, à ce moment-là, il peut y avoir aussi un manque de plaisir des mères dans la relation avec les enfants. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser aux naissances multiples? Ça, je trouve que c'est une question. On est tous, c'est ce que disait la dame, en fait, on est tous un peu interpellés par les jumeaux. On a tous rêvé d'avoir un jumeau, d'avoir un double, d'avoir quelqu'un qui... Et en fait... Mais comment comprendre de quoi vous parlez? J'ai moi-même des enfants multiples, en fait, aussi. Ah. Mais ce n'est pas forcément la seule raison. Combien? Des triplés. Ah. Mais ce n'est pas... En fait, bon, normalement, ouais. C'est pas pour ça que je travaille. Avant. Pas seulement. Pas seulement, mais aussi, j'imagine, quoi. C'est... Sans doute. Ça vous a donné l'envie, mais... C'est vrai, à ce propos-là, qu'on a du mal à trouver des gens qui puissent répondre à nos questions. Ouais. Donc, madame, c'est de quoi elle parle. Qu'on peut avoir avec les enfants. Et savoir, moi, je sais qu'ils sont nés grand préma, et savoir si ce qu'ils ont comme souci, c'est le lié à la grande prématurité ou du fait qu'ils soient triplés. Et on ne sait plus à qui s'adresser, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une association qui existe quand même? Oui. Il y en a plusieurs. Ah. Oui. On les trouvera sur le site, d'ailleurs, Internet. De ça se discute. Les plus vieux quadruplés de France, excusez-moi, on a presque le même âge, sont là. Donc 168 ans divisé par 4, 42 chacun. On va féliciter aussi votre mère Marie-Thérèse, 80, mais toute seule, elle, qui est donc votre maman, qui est avec vous. Comment s'est déroulée votre grossesse? Assez mal. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Comment vous avez appris que vous aviez 4 enfants? Vous attendiez 4 enfants? J'ai appris ça par une radio. Une radio? À 7 mois. Je les ai eus à 7 mois, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que vous l'avez appris au moment où ils sont nés, presque. Trois, mais pas quatre. Et la veille d'accoucher, j'ai appris que j'allais en avoir quatre. Dans le dernier, c'était celui-là. Oui, Marie. C'est important, l'ordre d'arrivée sur Terre, pour vous? C'est vraiment L'important, c'est Pascal, en bleu, là. Ça, c'est le premier? Deuxième, Vincent. Ma fille. Marie-Christine. Troisième. Et Louis-Marie, quatrième. Oui. Et qu'est-ce que ça change, le premier, le quatrième? Enfin, est-ce que ça change pour vous, rien, les frères et sœurs?
Rien. Est-ce qu'il y a un respect pour l'aîné? Ah oui, non, c'est vrai, quoi. Si, si, je suis l'aîné, c'est vrai. Pour sa fête, oui. Pour ma fête, oui, il y a un respect. Il me téléphone, il me dit, tu m'as pas souhaité ma fête, je te signale que c'est moi l'aîné, donc tu me dois le respect. La fête, l'anniversaire, ça alors. Ça me fait rire. L'anniversaire, en général, ça... Comment ça téléphone, là? Oh, bah, ça téléphone de tous les côtés, mais... en général, on ne s'oublie jamais. Hein. Non. Non. Mais c'est privilégié parce que comme ils m'appellent tous, donc au moins, je n'oublie personne. Marie-Thérèse, comment, les premiers mois de votre grossesse, vous ne saviez pas combien d'enfants vous avez dans le ventre, non. Exactement. Vous pensiez qu'il se passait quoi, alors? Jusqu'à 7 mois. Vous deviez avoir un bon ventre par rapport aux autres femmes. Oui, ouais. J'avais dit à mon docteur, parce qu'il venait d'accoucher des jumeaux, j'ai dit, je vais bien avoir des jumeaux, moi aussi, parce que je me trouve... Ils ne bougeaient pas tous en même temps, lui a dit, on dirait que j'ai mis le patte là-dedans. Ah oui. Ah oui, donc vous ressentiez quand même qu'il y avait une vie assez tumultueuse. Oui. C'était pas naturel. Alors il me dit non, il dit pas toi, il dit c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau avec des pattes. En fait, d'eau, voilà, la brochette. Alors cette naissance a été un événement dans votre région. On en a retrouvé un film qui date de 1961. Le son a disparu au cours des années, mais il nous reste des images qui sont assez courtes, regardez bien. Vous n'hésitez pas, madame, s'il vous plaît, à nous donner, Marie-Thérèse, votre commentaire sur l'arrivée donc sur Terre des quadruplés. Non, mais j'ai pas vu ça. Vous avez pas vu ça? Bah, c'est vous pourtant. Mais non. Oui, c'est vrai. Oh là, c'est Didier. Allez-y, Didier. Oh là là, on découvre. Didier, c'est votre grand-fils. On l'a jamais vu, si. Et ça, c'est nous. Bah non, il y a les couveuses, ça. Ça existait déjà à l'époque. C'est qui? Yes. Oh, tu reconnais, maman? Incapable de reconnaître. Marie-Thérèse, vous reconnaissez? Non. C'est toi, non, je reconnais pas. Le petit, là, c'est moi. Je les ai vus au bout de 15 jours. Ah oui. C'est une surprise pour vous, c'est la première fois que vous voyez ces images? Oui, c'est la première fois qu'on voit ces images, c'est assez... On les a réclamées. Je m'en rappelle. Avant? Nous aussi, mais nous les avions... On vous les prêtera maintenant. C'est gentil. Mais je m'en rappelle. Je me rappelle que mon deuxième m'a apporté des fleurs. Et le premier? Oh ben, le premier, le voilà, l'aîné. Il a toujours été là. Toujours, il m'a beaucoup aidé. Les forcément. Deux d'ailleurs, pour s'occuper, donc Jacques et Didier, des quadruplés. Oui. Alors, c'est Jacques ou Didier qui va Oh là là. Oh, Marie-Thérèse. Oui, ben, je ne me suis pas vue. Non, c'est Jacques. C'est vous, ça? Oui, c'est moi. Ouais. J'avais 37 ans. C'est comme si c'était hier. C'était... Vous en gardez un souvenir précis? Oui, quand même. Oui. Les gens étaient surpris. À l'époque, on disait que ça fait un petit événement. Ouais. Moi, la première. Oui. Jacques, vous gardez quel souvenir de ce jour-là? Parce que vous étiez déjà un grand garçon. Oui, je suis un peu ému de voir ces images. Mais pour moi, l'arrivée de mes frères, c'était une catastrophe. Frères et sœurs. Frères et sœurs, mais oui. On dit toujours les frères parce qu'il n'y a qu'une fille. Oui. Merci. Vous êtes émue, Marie-Christine, vous aussi. Oui. Larmes aux yeux, Marie-Christine. Oui. Si vous voulez, moi, j'ai été 10 ans tout seul. Et pendant 10 ans, j'ai eu tout de la part de mes parents. 10 ans après, moi, il y a eu mon frère Didier, et j'étais très heureux d'avoir un frère, puisque j'étais seul, donc j'étais content d'avoir un frère. Et 2 ans après mon frère, les 4 sont arrivés. Donc quand j'ai su, moi, que j'allais avoir des frères et sœurs quadruplés, merci pour elle. J'étais content d'avoir des frères et sœurs, le fait d'avoir des frères et sœurs. Mais quand ils sont arrivés à la maison, là, j'ai déchanté complètement, parce que j'ai dû aider beaucoup. Et de tout avoir, j'ai dû tout donner. Donc pour moi, c'est un très mauvais souvenir, un cauchemar, si vous voulez, de cette période de quand ils ont été petits jusqu'à ce qu'ils aient été... Grand. En quelque sorte. Ouais. Quelle relation vous avez avec chacun de vos frères et de vos sœurs? J'ai d'excellentes relations. Super. D'excellentes relations. Avec chacun, vous avez une relation différente? Avec chacun, oui. Une relation différente ou comparable? Non, comparable, je pense. Hein. Comparable, oui. Oui. C'est pas un peu dur de dire mes frères pour Marie-Christine? Oui, mais nous, les femmes, on a l'habitude. Hein, ça fait des millénaires. Oui. 3. 2 millénaires. Hein. Mais quand on a parlé, quand ils étaient plus jeunes, et quand on parlait d'eux, c'était toujours les 4. C'était, quand on parlait d'eux, on disait les petits. Et aujourd'hui, quand on parle d'eux, on dit mes frères. Quand même. Ah, voyez donc les frères en cabriolet, les frères et sœurs. Monospace, prenez monospace, cabriolet, très rare, très rare. Vous vous reconnaissez sur cette photo? Ah oui. Alors qui est qui?
Alors devant, de gauche à droite. Devant à gauche, c'est moi. Ouais. Derrière Pascal. Oui, la tête un peu ronde. En face Pascal, Vincent. Qui fait la gueule. Et Louis-Marie. Et Louis-Marie qui a repris trois fois du biberon ce matin quand même. Hein. Alors, vous êtes donc quatre, mais séparés en deux binômes, oui, qui auraient plus d'affinités. Sur quoi repose le duo que vous formez tous les deux, donc Vincent et Marie-Christine? Grande complicité. Une grande complicité. On se partage tout. Par rapport à Catherine, des fois, c'est pas toujours marrant, ma femme. Mais on est vraiment très, très soudés. Et la Catherine à côté de Marie-Thérèse. Bonsoir, Catherine. Et vous deux, sur quoi repose votre binôme à vous? C'est marrant parce que nous, notre binôme, ça repose qu'on s'est par hasard complètement, complètement suivi, mais complètement par hasard. Oui, par hasard, l'aléa de la vie. On s'est séparés, t'as divorcé. Voilà. Et on s'est remarié, tu t'es remarié, je me suis remis avec Isabelle qui est derrière. Voilà. Et on s'est retrouvés à Paris ensemble, à Bitter. Le hasard. Le hasard. Vous avez été ensemble, vous êtes séparés ensemble et vous êtes on s'est retrouvés sur Paris. Oui. Ensemble. Voilà. Ensemble. Hein. Ensemble. Voilà. Christine, merci ensemble de m'aider. Donc voilà. Le binôme des Parisiens, le binôme des Bretons. C'est ça. Vous vous réunissez souvent, ce qui vous oblige à sillonner la France, mais ce qui est sympathique aussi. Mmh. Marie-Christine, vous avez décidé, vous aussi, après votre séparation, décidément, je ne vais pas faire des statistiques, mais les quadruplés, c'est pas souvent. Je plaisante. Après votre séparation, vous avez décidé de vous installer à Vannes, comme par hasard, à quelques mètres donc, de la maison de Vincent. Un besoin de proximité que Catherine, son épouse ici présente, comprend, mais qui lui pèse aussi un petit peu parfois. C'est ce que nous avons constaté donc, en vous rendant visite en Bretagne. Le reportage est signé Jean-René Chaperon et Virginie Ders. J'ai visité plusieurs appartements et celui-ci m'a beaucoup plu parce que le séjour est très agréable. Mais je vais vous montrer quelque chose de plus important à mes yeux et à mon cœur. C'est de la salle de bain. Je vois la fenêtre de la chambre de mon frère là-bas. Et là, ça a été terrible. Le couperet est tombé et j'ai pris cet appartement. Allô ? Ouais, c'est moi, ça va ? Ça va ? Dis-moi, demain, le départ pour aller chez maman, c'est 9h moins le quart. Hein. Dis, tu n'aurais pas 5 minutes pour me couper les cheveux ? Une petite coupe, hein ? Donc je vais monter. Bon, t'es où là ? Ah d'accord, ah bah je vais te voir alors. Ah oui, ah bah non. Oui. Bon bah à tout à l'heure. Hein ? Ouais. Catherine, la femme de Vincent, est bien obligée d'accepter les liens étroits qui unissent Vincent à sa sœur, surtout depuis qu'elle habite à côté de chez eux. Un grand classique, je veux prendre le téléphone dans la maison et la ligne est souvent occupée entre Marie-Christine et Vincent. Donc, j'attends mon tour. Je me suis aperçue certaines fois qu'elle savait des choses sur notre vie, sur notre quotidien, avant moi. Donc, c'est un peu frustrant par moments. Ah, j'étais en ligne avec Marie-Christine. Je sais, j'ai entendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire couper les cheveux, là. Bon. Et donc, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Hein, et puis après, je redescends. D'accord. Donc voilà, quoi. Bon, c'est bien. Ah, vous voyez, là, je sonne, je rentre directement. Parce qu'on est les uns chez les autres, donc on est... Salut, ah, c'est moi. Catherine, c'est Vincent. Allez, t'es là. Bisous. Salut Vincent. Oui, ça va? Oui, super. Alors ma soeur, ma coiffeuse a titré. Bon, quand elle n'est pas là et si elle part en vacances et j'ai besoin d'une coupe de cheveux, je vais dans un salon de coiffure. Hein. Mais quand je sors, je suis jamais bien. Alors... J'essaie d'être la plus discrète possible, surtout. Donc, moi, j'ai ma petite vie de mon côté. Il m'invite souvent à dîner ou à déjeuner. Et je lui dis non, j'ai autre chose. Parce que j'essaie de les laisser... Oui, et puis de préserver la vie de couple. Ouais. Parce qu'il a une femme adorable, mais... Bon, il est un petit peu jalouse, quand même. Ah, super. Alors ? Oh, bah très bien, hein. Donc là, t'es Vincent. Vincent a entrepris ce mur-là. D'accord, un mur, ça me va. Deuxième mur, tu voulais l'avancer, je crois, jusque-là. Enfin, vraiment un truc énorme, pas terrible. Et il me pose la question. Je lui dis non, ça fait pas terrible, ça fait moche, ça prend de l'espace.
Bon, tu m'envoies bouler quand même, gentiment. Donc, je décide de partir en ville, c'était mieux et tout. Sa sœur passe entre-temps. Il lui pose quand même la question, qu'est-ce que tu penses de mon muret? Elle lui a dit, oh non, pas terrible, machin. Bon, bah du coup, le muret s'est arrêté là. Il a, en fait, sa sœur a eu le mot de la fin plutôt que moi. C'est vrai que deux avis sont quand même mieux qu'un avis, mais malheureusement, j'ai pas su ce jour-là écouter une fois de plus ma femme. Ouais. Un moment de retrouvailles pour les quadruplés. Louis-Marie et Pascal, les Parisiens qui ont vécu ensemble pendant 6 ans, arrivent en gare de Vannes. Ça va bien? Oui, ça va? Super. Salut le pouche. Comment ça? Alors, des loups. Elle va peut-être te raser, toi. Hein. Non, bonjour, je suis ravi. Ça va bien? Et oui. Alors, super. Vous avez fait un bon voyage? Oui, très bien, très bien. Ah, ouais. Il arrive à l'heure. Pas hein. Trop long? Fille à l'heure. Si, si, oh, bah ça. 8h10. Oui, 8h10, c'était marqué, non? T'as bien dormi, toi, Pascal? Bon, un petit pain au chocolat, ça va faire du bien. On a vécu combien? 6 ans ensemble, nous, Pascal? 6 ans. Hein? 6 ans, oui. 6 ans ou 7 ans? Que je te préparais le petit déjeuner le oui, matin. Oui, c'est ça, qu'un. Je te faisais les cours, je te faisais tout ça, c'était oui. Bien, c'était le bon temps. Hein? Oui. Hein? Oui. Tu faisais pas ça? Oui, c'est moi qui faisais les courses, oui. Quand il est parti, il a sa fierté. Oh, t'avais les boules, hein? Oui, j'avais les boules quand t'es parti, hein. Ouh, bah, oui, bah, ouais, quand il est parti de l'appartement, ouais, c'était un petit peu dur. Alors, il était gentil parce qu'il revenait de temps en temps dormir oui. À l'appartement, je dis. Bah, oui. Alors, moi, je dis, je on pense pas. C'est seul, mon oui. Petit Mario. Non, mais attends. Il dit donc qu'on se trouve une femme tous les deux, hein. Pourquoi? Bah, parce que vous prenez des mauvaises habitudes. Ah, hein. Des mauvaises habitudes de vieux garçon, ouais. L'été, le. Les quadruplés vivent au rythme des amours de chacun. Si Louis-Marie et Pascal ont cohabité après leur rupture sentimentale, Vincent, pendant des années, a fait des centaines de kilomètres pour voir sa sœur qui vivait à Biarritz. Là aussi, les adieux étaient déchirants. Merci. Déjà, le fait de mettre les bagages dans la voiture, déjà, tu sens que les forces te manquent, quoi. Déjà, t'es pas bien, là, déjà. T'essayes d'être fort, mais tu te dis, c'est pas, dans ta tête, t'es mal, quoi, tu vois. Et puis, on monte dans la voiture. Alors déjà, il devrait même pas y avoir de rétro sur les voitures parce que quand on regarde derrière, c'est terrible. Et puis, oh là là, moi, je n'osais pas parler dans la voiture. Et j'ai dû commencer à te parler, Catherine, à Bordeaux, je crois. Ouais. De Biarritz à Bordeaux. Ah, hein. Chiant. Et à chaque fois qu'on allait à Biarritz, moi, je ne pouvais parler qu'à Bordeaux. Et on s'arrêtait, on prenait un café, puis Catherine, elle me disait, gentil comme tout, elle me disait, ça va mon vin-vin? Ça va mon vin-vin, oui. Le vin-vin, elle était dans le sac. Allez, t'es arrivé à la maison. Ah, ah, bon voyage. Oui, c'est vrai que... Oh, oh là là, oui. Oh là là. T'en compte qu'on tenait tout, on tenait tous les quatre dedans. Il y a un mauvais état quand même. Moi j'aimerais bien la. Alors ça c'est votre premier monospace, oui. En fait. Hein. Louis-Marie. Ouais, oui, premier monospace de l'époque. Notre premier monospace, ouais, c'est le. Mais on pourrait le restaurer. Avec quand même, deux non freins, il y avait tu crois deux pas, freins. Pourquoi pas, Marie-Christine ouais. Avec la BS, ouais. C'est du travail, hein. En tout cas, il y en a eu des gens à regarder ce landau-là avec les quatre dedans. Mais elle est où la poignée pour. Elle est où la poignée? Elle est là la poignée, là voilà. Fais-nous voir, ça commence. À une heure de route de Vannes, les quadruplés arrivent à Guipry dans leur maison natale. Ils y retrouvent leurs deux frères aînés, Didier qui avait 2 ans lorsqu'ils sont nés, et Jacques qui lui en avait 12. J'étais content, j'étais fier parce qu'il y avait la télé, il y avait la radio qui parlait de nous, les journaux et tout. Alors moi, à 12 ans, j'étais fier de ça, forcément. Et après, j'ai vite déchanté parce que, comme j'étais arrivé à la maison, il a fallu que j'aide à donner les bibons et à vous faire les shampoings et vous laver voilà, ouais. et tout. Et moi, je passais mes vacances à ça. Et puis, toutes mes vacances, il fallait que je promène ce landau, là. Moi, j'étais toujours en retrait. J'étais toujours. Inexistant. Ah ouais, à côté. Ouais. J'existais plus quelque part. Ouais. Et le fait de voir que tout le monde s'intéressait à mes frères et sœurs, il y a un ressenti qu'on est un peu un satellite, quoi. Hein. Un peu comme la Lune autour de la Terre. On fait jamais partie du groupe, quoi. Oui. Ah, bon petit café. Ça va bien. Et ouais, maman, nous, quand on était malades.
Et c'était un après l'autre ou c'était tous ensemble? Tous ensemble. La coqueluche, c'est tout le monde. C'est les quatre. Si elle avait la varicelle, c'était tout le monde. Les quatre. Ben oui, et puis la température à chaque. Je me souviens quand il fallait prendre la température, quand il y en avait un qui avait de la fièvre, ben, maman disait bon, maintenant ils vont tous en avoir. Alors elle vous disait en position. Vous mettiez en position et hop, les thermomètres. Voilà. Au niveau de l'affection, je me rendais compte que vous n'aviez pas la même affection que moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de temps, parce que maman ne faisait que travailler, que laver, que repasser, elle faisait que ça. J'ai vu mes parents pleurer plusieurs fois parce qu'ils se demandaient comment ils allaient faire pour faire vivre toute la famille. Et ça a été dur à tout niveau, hein, à tout niveau. Donc, mais tout a été axé sur les quatre. Il n'y avait plus que les quatre qui comptaient. C'était plus la même vie. Alors Catherine, vous avez un micro, Catherine? On va vous en donner un tout de suite. Alors, que vous inspire le fait que Vincent soit aussi proche de Marie-Christine? Bon, j'adore ma belle-sœur, donc ça va. Mais c'est vrai, ils sont très liés tous les deux. Trop? Un petit peu. Non, non, ça va. À quel moment c'est embêtant pour vous? Ben parce que, enfin, elle privilégie aussi des petits moments avec moi, donc c'est agréable. Le mercredi matin, on se le passe tous les deux ensemble, donc je lui laisse aussi du temps avec son frère, donc on arrive quand même à fonctionner comme ça. Il s'appelle vraiment en cachette de vous, au téléphone? Oui, oui. Enfin, il s'appelle très régulièrement. Il n'y a pas si longtemps, Vincent était en déplacement, là. Ouais. Sur Paris, et on a nos rendez-vous téléphoniques le soir habituel et tout ça, et je l'appelle et puis il me dit rappelle-moi plus tard, je suis déjà en ligne. Bon, ça m'a pas plu, je lui ai dit bon, bonsoir. Et puis en fait c'était Marie-Christine qui était sur le portable avec lui et elle savait que c'était moi sans doute, hein, et puis elle lui a dit bon ben je te laisse, parle à ta femme. Ah oui, mais je m'en suis aperçu. Bah, à mon tour, que ça l'avait pas plu, je lui ai rappelé. Non, ah, non. Oui. À mon tour, tu t'en es aperçu, quoi. Oui. Vous avez rappelé votre sœur ou votre femme? Non, non, ma femme, parce qu'à l'intervention de sa voix, je me suis dit, oula, encore une gaffe, j'ai rappelé tout de suite. Pourquoi encore une gaffe? Bon, parce que j'en fais, en fait, sans m'en rendre compte. Mais ce qu'elle oublie de dire, quand même, c'est que je lui offre régulièrement des fleurs et... ça... À qui? À votre sœur ou à votre femme? Et à votre sœur? Non. Pas de fleurs à votre sœur? Non. Catherine, vous trouvez qu'ils sont un peu trop complices? Non, je trouve ça super aussi. Vous trouvez ça mignon, attendrissant? Adorable. Énervant parfois? Non. Non. J'ai passé ce cap depuis longtemps. Ah oui, mais vous l'avez connu quand même. Non, parce qu'il faut prévenir toutes celles, tous ceux qui vont rencontrer. En fait, on vit maintenant l'une à côté de l'autre. Donc on se connaît bien, on a appris à se connaître. Et depuis ce temps-là, non, tout va bien. Didier, donc vous êtes le second. Vous aviez 2 ans quand les quadruplés sont arrivés. Un âge où on a encore beaucoup besoin de ses parents, n'est-ce pas Loïc? De sa maman, est-ce qu'elle était disponible pour vous? Eh bien, moi, ma vie a changé à partir de 2 ans et demi. Vous en souvenez De l'arrivée des quatre? Je me souviens tout à fait. J'ai eu un flash quand je suis arrivé dans la chambre, quand j'ai vu les lits en osier avec 4 petits dedans. Et en fait, je me demandais si une colonie ne venait pas d'arriver. Oui. Qu'est-ce qui vous reste de ce flash aujourd'hui? Eh bien, en fait, le partage de beaucoup de choses, quoi. Le partage tant au point de vue matériel qu'au point de vue affectif. Oui. Parce que c'est vrai qu'un des quadruplés, ben, on ne peut pas rentrer dans un cercle. Et puis, j'ai beaucoup pensé à et entendu Loïc. Et j'aurais beaucoup de conseils à lui donner. Parce qu'en fait, ce qu'il vit en ce moment, moi, je l'ai vécu. Loïc, écoute. Alors, allez-y, dites-lui. Donnez-lui ses conseils. Donc, Loïc, en fait, tu ne pourras jamais t'immiscer dans un cercle, même de triplé, parce que moi, je n'ai jamais réussi à rentrer dans ce cercle de quadruplé. Hein. Mais par contre, on peut partager beaucoup de choses, et en fait, tu auras des grands moments de bonheur qu'on partage tous ensemble. Bah oui, bah mais la complicité qu'ils ont tous les quatre, ils l'ont tous ensemble, parce qu'il y a des informations, des fois, qui circulent de Paris à Vannes. Moi, je suis toujours le dernier informé. Hein? Et pourtant, je suis à Rennes entre les deux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Loïc?
Ce qu'il a dit, ça s'est passé parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on s'entend bien. Puis qu'on se bagarre pas, qu'on se dispute pas. Vous jouez ensemble, vous, oui. Vous avez de la complicité? Oui, bah, des câlins aussi? De toute façon, dans le reportage, ça scie énormément. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'ils partagent beaucoup de choses malgré tout. Oui. Loïc, il a beaucoup de soucis, bon, parce qu'ils sont assez envahissants, on va dire. Mais il est toujours intégré. Je veux dire, ils sont toujours. Quand ils sont à quatre, il n'est jamais mis de côté. Ouais. Il participe bien aussi, il ne faut pas croire. Ouais. Alors, la majorité des quadruplés, comme on dit, chacun a suivi sa route. Est-ce que c'était dû au hasard de la vie ou est-ce qu'il y avait aussi une nécessité, arrivé à un certain âge, de vous construire individuellement? Oui, moi je sais que j'ai vécu donc, depuis la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. Je pensais que j'étais un garçon. Parce que oui, parce que je n'avais que des frères, des garçons autour de moi. Et puis bah, je jouais avec eux, avec des jeux de garçons, rarement à la poupée. Et puis, je me battais comme un garçon, enfin. On montait dans les arbres. Et c'est vrai que, puis ils me donnaient aussi des, pour faire partie de la bande des trois garçons, finalement. Il y avait des challenges. Eh bien, il y avait des challenges pour moi. Mmh. Alors, je devais monter aux arbres le plus haut possible, alors qu'eux ne le faisaient pas, mais ils me le faisaient faire. Et puis, enfin, plein de choses comme ça. Si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle a réussi. Et puis après, quand ils sont partis au service militaire, faire leur service militaire, j'ai voulu aussi faire mon service militaire, parce que j'arrivais vraiment pas à me situer en tant que fille. Je savais pas si j'étais une fille ou un garçon. Ça m'était difficile. Et puis, c'était très nécessaire qu'ils partent, finalement, parce que ça m'a permis de me retrouver moi. Et puis d'avoir un exemple féminin, hormis maman, parce qu'une maman, on sait que c'est jamais forcément un exemple, c'est une maman. Et donc j'ai trouvé cet exemple ailleurs, une amie, oui, ça a été un flash. Et j'ai vraiment découvert ma féminité à partir de ce moment-là. Et oui, cette fille, je l'ai vue rentrer dans une pièce. Oh, je me suis dit, mon Dieu, qu'elle est belle. Et à partir de là, j'ai voulu lui ressembler. Et puis, ça a fait son chemin après. Oh, c'est très réussi, non? Marc-Essay, vous envisagez donc de déménager de Vannes pour rejoindre votre ami. Ils sont pareils. Est-ce que vous avez proposé à votre binôme de vous suivre? Et donc à Catherine qui... Non, ça paraît difficile. Je suis régulièrement, moi, sur Paris, parce que je suis en déplacement. Donc... ça va tout comme bien. De ce côté-là, ça peut aller, mais... C'est vrai qu'on a essayé de le faire à Biarritz, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Quand j'ai quitté Rennes, j'étais tellement triste de quitter Vincent, j'ai réussi à faire venir toute la petite famille Gauthier chez moi. Ils sont venus habiter 2 mois à la maison. Et ça a été un échec. Pourquoi? Voilà, donc j'ai pas... À cause de la situation professionnelle. Oui, qu'il n'a pas réussi à trouver là-bas. Si j'avais une situation professionnelle stable là-bas, je serais restée. Catherine, ça vous fait réagir de quelle façon, ça? Non, c'est vrai, à l'époque, on est parti à Biarritz, on a fait un déménagement aussi, on l'a suivi. C'est vrai que si on avait trouvé du travail à ce moment-là, on serait resté à côté de chez elle, c'est certain. Bon, ça n'a pas été le cas, on avait du travail en Bretagne, on est revenu. Ça vous fait quoi maintenant de vous séparer de votre binôme qui va partir rejoindre son ami? C'est pas demain. C'est pas demain? Mais si c'était demain? Je me dis ça quand je reviens du marché, souvent, je regarde la fenêtre et je pense des fois dans ma tête, sans le dire à Catherine. Je regarde la fenêtre et je me dis, peut-être qu'elle ne sera plus là. J'y pense pas. C'est douloureux, mais j'y pense pas. Et pour vous? Moi aussi, je pense qu'on a tellement une grande complicité. Ce sera difficile. Ouais. Catherine, c'est plutôt une bonne nouvelle que Marie-Christine s'en aille? Attention à ce que tu vas dire. Non. Non. Passez le micro. Je préfère l'avoir à côté de moi quand même. Bon. Nadège, ça vous fait quoi de voir 4 grands quadruplés en ayant les 4 vôtres pratiquement tous sur vos genoux? Mais dans quelques années, on sera à la place de madame. Oui. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir 4... Pareil, 3 garçons et une fille. Oui, c'est ça qui fait encore plus bizarre. Quoi. Oui. Ah, ils font du beans, hein? Oui, maintenant ils y vont. Oui, je suis désolée. Mais... Ah, mais non, c'est ça qui est chouette. Vous avez déjà observé par exemple une complicité sous forme de binôme, oui, deux oui, et deux? Oui, oui. J'ai Sarah et Lucas qui. Oui, Lucas qui sont. Sarah et Lucas sont souvent ensemble et Hugo et Laurentin sont ensemble. Oui.
Mais je veux dire aussi que si un des garçons qui vient pleurer, Sarah va le consoler tout de suite. Ah bon? C'est la petite. Et vous, Marie-Christine, vous l'avez fait aussi? Écoutez, je ne me souviens plus. Hein. Non, non, parce qu'ils étaient assez durs avec moi. Hein. Oui. Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette Nadège? Prenez le micro. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette maman qui se retrouve dans à la même place que la vôtre? Elle n'est pas rendue là. Elle est quoi? Elle n'est pas rendue là encore, oui. Qu'est-ce que vous... l'encourager. Ah bon? Mais ils sont bien mignons. Oui, ils sont bien mignons quand même. Ah oui, très. Qu'est-ce que vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, une naissance de quadruplé dans votre vie? Eh bien, ça a changé ma vie, bien sûr. Hein. Mais du bonheur quand même. Mmh. Oui, parce que maintenant, je suis perdue si je n'ai pas un coup de téléphone de droite et de gauche. Mmh. Oui, c'est vrai. Et les deux grands à côté aussi? Les deux grands, pareil. Ouais. Ah ben, je n'ai pas de préférence. Non. Non, mais non. Quand Didier, il dit qu'il a toujours été un peu oublié. Oui, mais je ne sais pas ce que je lui ai fait. parce que il est pareil, je l'aime aussi. Hein. Bon. Je les aime tous. Hein. Tous pareils. Hein. Et de voir que Vincent et Marie-Christine ont autant de mal à se séparer à 42 ans? Ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Pour moi, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Oui. Quoi? Je ne sais pas. Parce que Vincent, il a sa femme. Oui. Ah, mais ça n'empêche pas. Bon, ils sont tous les deux, d'accord. D'accord. Mais il faut, bon... Il faut s'occuper de son conjoint. Ils s'entendent bien, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Bon, Jean-Philippe, qu'on n'a pas encore entendu de réagir, de nous donner son point de vue, par exemple, sur l'appréhension que ressentent Vincent et Marie-Christine de se séparer 42 ans après. Je ne sais pas niveau jumeaux, et on parlait des triplés, quadruplés, tout ça, si on a le même rapport qui peut être... On parlait souvent, on voit des émissions de fusionnels, ce qu'on appelle les jumeaux. Les jumeaux, on est deux. Et là, ils sont deux fois deux, c'est ce qu'ils disent. Ils sont deux fois deux, mais effectivement. Mais quand on est à trois, il y en a toujours un qui est hors du lot. Quand on est quatre, effectivement, on va faire deux groupes de deux. Quand on est deux, on est deux. Et en fait, on va grandir ensemble. On va se forger sa personnalité ensemble, par rapport à des événements de la vie aussi, hein, qui font que, et on va se forger cette personnalité et on va devenir un. C'est ça qui est assez fou dans les jumeaux, je pense dans ceux qui ont les jumeaux ou les jumelles. 1 plus 1 égale 1 ? 1 plus 1 est égal à 1, oui. Alors, c'est pas mathématique, mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe souvent, on le voit de toute façon. Pas toujours, mais souvent. Quelle relation vous aviez avec votre frère jumeau ? Ben, on a grandi ensemble. Hein. Bon, on a, nous, avec nos parents, on n'a pas vécu avec nos parents de tout petit. On a vécu dans un appartement avec mes frères. Donc, on était obligés avec mon frère parce qu'on était les plus jeunes. J'avais un autre frère, alors on parlait des triplés qui avaient 11 mois de plus. Donc, lui, bah, effectivement, il est au milieu de tout ça, plus un qui avait 5 ans de plus. Mais nous, on avait notre petit. On s'était fait notre petit milieu, on s'était fait notre petite vie, voilà. Alors, je ne sais pas qui est qui, hein. Je ne peux pas vous dire si j'ai jamais su me reconnaître sur une photo. Ah oui. Vous n'avez jamais su vous reconnaître par rapport à votre frère? Non, j'arrive pas encore à me reconnaître sur les photos. Hein, ça doit ajouter au trouble, j'imagine. Ça doit ajouter au trouble. Alors effectivement, c'est le côté de la double personnalité qui est qui. Je ne sais pas. Alors c'est mon frère qui me dit tiens, ça c'est toi, ça c'est Christophe. Lui, savait reconnaître? Lui, sait reconnaître. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est un truc que je n'arrive pas encore à faire sur les photos. Sauf une fois, il avait là-bas. Bon, effectivement, là, je peux me rappeler. À même âgé, vous n'arriviez pas à faire la différence? Non. Sur les photos, bon, souvent, je suis obligé de regarder deux fois pour savoir quelle époque on était et qui était qui. Et j'arrive pas, effectivement, mais je pense parce qu'on se voit pas, donc c'est difficile d'aller voir peut-être deux comme ça, bon, une fois qu'on a l'habitude de se voir, peut-être. Ah non, mais pour les autres, vous avez vu, triplé, quadruplé, tout de suite, ils arrivent à savoir qui est qui en deux secondes et demie. Ah ouais, non, mais nous, on se ressemblait, non, et moi, je n'ai jamais su, je demande toujours à mon amie Sarah derrière, bon, maintenant, elle commence un peu à faire la différence et à savoir, malgré qu'elle arrive bien après la bataille. Donc après, cette personnalité, on l'a construit tous les deux, on s'est fait notre petit monde. Parce que bon, effectivement, les jumeaux, on avait besoin de vivre ensemble. On avait besoin, j'allais dormir avec lui. On avait ce besoin charnel de se toucher. C'est ce qui a fait qu'après, il me manque énormément maintenant. C'est ce besoin charnel de se toucher. On avait notre langage. On faisait toutes les bêtises ensemble. On s'est fait virer de l'école ensemble. On nous a séparés de classe. Ça n'empêchait pas que, bon, on a quand même redoublé ensemble. On a fait... Et en fait, sans le vouloir, on faisait toujours tout ensemble. Les amis, bon, on s'échangeait un petit peu de temps en temps, c'était le bon côté. Les petites amies? Les petites amies, ouais, vous c'était l'avez sympa. Fait, ça? Ouais, c'était sympa. Ça, c'est un rêve. Hein. Ça, c'était un rêve, ouais. Ça pouvait être très marrant, d'ailleurs. Mais bon, il y en a qui sont aperçus, quand même. Ah bon? Je sais pas, ouais, je sais pas comment, mais ils sont aperçus. Mais bon, elles vont faire comprendre à l'instant T ou après? Non, après, quand même. Ah oui, bah c'est, donc c'est amusant pour tout le monde. Hein, voilà, donc ça c'était notre vie jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, il a tenté de se suicider. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à 18 ans, une première fois, parce que ma mère est partie donc, dans les îles, et elle nous a laissés. Mon père, lui, a dit, bah, maintenant, bah, vous allez faire comme tout le monde, bah, vous allez gagner votre vie. Donc, il nous a mis dehors. Donc, effectivement, là, bon, on s'est retrouvé avec mon frère dehors. Moi, j'avais la chance à l'époque, c'est que j'avais mon ex-femme qui m'a recueilli chez ses parents.
mon frère, lui, qui était tout seul, bon, avait une amie, plus ou moins, et bon, on a fait 18 ans, on n'est pas bien grand, hein, on est encore vraiment des gamins. Lui, là, je pense qu'il est venu chez moi, parce qu'il a essayé de se faire une tentative, plus peut-être pour chercher, pour me chercher. Pour se faire entendre. Pour se faire entendre, et quelque part, là, on disait toujours les jumeaux dominant-dominé. Hein. Oui. Donc je pense que jusqu'à l'âge de 18 ans, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. En fait, c'était une petite, notre petite soupe, mais ça se passait très bien. Là, je pense que là, moi, je me suis détaché de là, peut-être ce moment-là. Et c'est là que je suis commencé à venir. Il est venu chercher de l'aide chez moi. Donc là, effectivement, on était séparés, mais quelque part, ça nous avait fait du bien, peut-être, séparés, de sortir un petit peu de cette vie pendant 18 ans. On a toujours été ensemble. Là, on s'est dit, bon, ben, maintenant, on est grand. Chacun va faire sa vie, parce que deux jumeaux n'ont pas le même caractère, hein, quand même. Chacun va faire sa vie, puis va prouver à l'un et à l'autre qu'on est capable. Mais lui, il a pas réussi, en tout cas. Enfin, à l'âge de 18 ans, une première TS... Tentative de suicide, ça prouve bien que c'était pas prêt pour ça, quoi. Voilà, tout à fait. Ça, il n'était pas. On nous a envoyé dans la nature, et puis à 18 ans, on est très loin d'être prêt. Hein. Donc on disait les parents qui étaient trop protecteurs, vous avez les autres qui ne le sont pas assez. Les jumeaux, c'est très particulier, ça fonctionne d'une façon très particulière. Attention. Vous dites rien à voir avec les triplés, les quadruplés, les sextuplés, quoi. J'ai pas l'impression. Rien ce que vous avez entendu tout au long de la soirée. Ouais, c'est ce qui m'a. Je vais pas dire choqué, mais je dis tiens, effectivement, apparemment, ils fonctionnent pas comme nous. La principale différence, c'est que 1 plus 1 égale 1 pour vous. Alors que vous avez l'impression que eux, quand ils sont 3, ils sont vraiment 3. Exact. Et quelque part, alors est-ce que c'est parce que c'est des faux jumeaux? Parce que je pense qu'un triplé est des faux jumeaux qu'on n'a pas. Mais c'est ça, Léo? Parce que les vrais jumeaux qui vivent ensemble, 1 et 1, 2, on a le même esprit, on a la même façon de voir. Physiquement, on est exactement pareil. Encore que ça, je ne sais pas si c'est vraiment... Mais bon, quand on se voit, effectivement, on voit... Il y a des faux jumeaux qui se ressemblent beaucoup aussi. Voilà, il y a des faux jumeaux. Bon, c'est vrai que quand vous êtes gamin, on vous dit toujours, tiens, c'est les jumeaux. Et à la fin, on commence à en avoir marre. Donc, on dit, nous, on est normal, on est comme tout le monde. Mais bon, on était comme des jumeaux. Donc, après cet âge de 18 ans, bon, on est passé après à autre chose. Vous avez essayé de vous construire après ça. On a essayé de se construire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 13 ans plus tard, ça, à l'âge de 31 ans, donc après, donc il a vécu 5 ans là-haut, donc il ne pouvait pas rester, c'était difficile, on ne se voyait pas beaucoup. Donc lui, il a fait déménager son épouse qui était fonctionnaire, il avait réussi de redescendre à Grasse. Donc de là, effectivement, on arrivait à se retrouver plus souvent. Moi, j'avais une vie, j'avais eu de la chance professionnellement de bien marcher, d'être heureux dans la vie, donc j'avais tout ce que je voulais, enfin, pour être heureux, ça me plaisait, j'avais une bonne vie. Et lui, quelque part, n'arrivait pas à avoir ce que moi, j'avais réussi à avoir. Donc là, j'étais vraiment le dominant dans ces cas-là. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre vous? Non, pas du tout. Parce que vous dites, on va voir comment chacun se débrouille de son côté. Est-ce qu'au bout d'un moment, quand on fait le constat de voir qu'il y en a un qui s'est mieux débrouillé socialement, parce que le hasard de la vie ou pour d'autres raisons... C'est le hasard de la vie, je pense, et puis le hasard, la chance... Oui, mais les autres raisons, elles viennent forcément en tête, quoi. Il y en a un qui est plus capable que l'autre et l'autre moins capable. Je ne sais pas si c'est juste qu'il avait un problème. C'est le problème de la société. La société ne lui convenait pas. La société dans laquelle on vit ne lui convenait pas du tout, quand même. D'accord. Hein. Donc ça, il s'est suicidé à 31 ans. Il s'est suicidé à 31 ans. Comment vous l'avez appris et comment vous avez réagi? Déjà, il a eu quand même quelques mois avant, déjà quelques années déjà, où il allait dans les maisons, ce que j'appelle des maisons de fous. Je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est vous avez les drogués, vous avez les alcooliques, et vous avez ces gens-là qui ne savent pas où ils habitent, ils ne savent pas où ils sont. Donc, on les bourre de médicaments pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Après, on les fait sortir. De là, il y a la redescente qui est terrible. Donc, ce que mon frère me disait, c'est que c'est la redescente qui est abominable. Donc, il pleurait. Donc, j'allais le chercher, je le ramenais chez lui, on allait voir les psys. D'ailleurs, je remercie les psys parce qu'en fait, je crois qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur, ceux-là. Donc, je suis très content. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu aux jumeaux parce qu'il serait peut-être temps de s'y intéresser. Parce que, comme on disait tout à l'heure, vous disiez, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus. Et des cas comme moi, ben, il y en a à voir. Donc, moi, je suis arrivé là avec un... On m'a dit, ton frère s'est suicidé. Et je dis, pourquoi il m'a fait ça, quoi? Je me suis dit, c'est ma vie bascule, quoi. C'est ma vie, elle est cuite. Elle va basculer dans quelque chose que je n'ai pas pouvoir gérer, quoi. Ça va être un truc ingérable. Vous l'avez senti sur le coup? Sur le coup. Je dis, pourquoi il m'a fait ça? Et là, alors là, c'est parti dans le délire, quoi, après. C'est là où j'arrivais pas... après, vous demandez, est-ce que vous devenez fou? Est-ce qu'on devient... Vous avez votre moitié qui est partie. Quand on dit un et un, votre moitié, c'est votre moitié de cerveau. Vous êtes construit à deux. Votre personnalité, elle tient des deux personnes. Vous, tout seul, vous êtes rien, en fait. Le soi-disant dominant n'est rien avec le soi-disant dominé. Sans. Je dis ça, c'est... On est complémentaires les deux, et les deux font un. Mais vous vivez avec ça. Et quand il part, eh bien vous apercevez qu'en fait, moi qui étais les euros, qui était toujours là pour l'aider quand il fallait, parce qu'en fait, bon, je m'étais dit, ah, mon frère, on va y arriver, t'inquiète, accroche-toi, on va y arriver, il faut repasser, allez, encore une fois, c'est bon. Et là, il avait prévu son affaire depuis un petit moment, il est parti tranquillement, il a fait son petit truc, et là, effectivement, je me suis aperçu que là, j'étais plus rien.
ce soi-disant dominant très fort, Zorro, eh ben, il était rien, quoi, en fait. Il était rien sans son jumeau. Un moins un, ça fait quoi, alors, pour vous, aujourd'hui? Ben, pendant, je veux dire, en gros, 6-7 ans, rien. Ça fait quelqu'un qui ben, n'a plus envie de rien, quelqu'un qui ne fait plus de sport, plus grand-chose, qui ne parle plus à personne, très peu, qui devient sociable, qui devient très irritable, quelqu'un qui ne travaille plus, n'a plus envie de travailler, j'étais à mon compte. Donc heureusement j'avais des gens qui avec moi qui ont fait mon boulot pour que ça tienne, pour que la boutique tienne, mon affaire tienne en attendant. Parce qu'en attendant, ben, un jour était un jour nouveau. Avec votre femme? Ben, on a fini par divorcer. Ah bon? Parce que ben, vous changez de personnalité. Déjà, c'est pas vous la changez, c'est que vous allez essayer de vous en créer une. C'est ça, on recommence à zéro quelque chose. Il faut se recréer cette personnalité. Et donc de là, on va la chercher. Et votre épouse, ben, elle suit ou elle ne suit pas. Ce qui n'est pas très évident, parce que on est loin d'être marrant dans ces cas-là. Très loin même d'être marrant. Donc on se ferme, on devient du béton, on ne parle plus. On n'a plus envie de rien faire, de toute façon. Donc petit à petit, ben, faut essayer de se reconstruire. Et ça a duré des années. C'était, ben, c'est mon anniversaire aujourd'hui, ça fait 10 ans. C'est votre anniversaire ? Oui, ça fait 9 ans. 9 ans aujourd'hui ? 9 ans. Enfin, quelques jours près. Voilà, quelques jours près, ça fait 9 ans. Et là, je commence maintenant, après, bon, vous sortez d'un divorce, j'ai vendu mes affaires, je suis retourné à l'école pour apprendre, pour me prouver que j'étais capable, moi, en tant que Jean-Philippe, ben, retourner à l'école, études. Quand vous parlez de reconstruction, c'est vraiment reprendre un autre chemin initiatique. C'est reprendre, quand tu as réfléchi, effectivement, je suis retourné faire une maîtrise de management, je suis capable, je retourne à l'école, je repars à zéro. Donc j'ai retrouvé une amie depuis 3 ans donc, qui me comprend, qui arrive à me supporter des fois, parce qu'effectivement, même quand on m'a dit que j'allais faire l'émission, pendant une semaine, je crois ça a été sympa parce que j'avais très peur d'en parler, juste derrière. Oui. J'avais très peur d'en parler parce que c'est quelque chose que je garde au fond de moi-même et que je n'ai jamais sorti, ou que je vivais avec tous les jours en fait, parce que comme je n'avais pas la solution, et là je me suis dit, allez, il faut se prendre la main, faut sortir de ça. Et vous arrivez à trouver une certaine sérénité, faire partager à ceux que vous aimez, à votre compagne, à votre fille? Il faut qu'elle vive avec. C'est-à-dire que vous faites des cauchemars. Je fais encore des cauchemars. Cauchemars de quoi? Je vois mon frère, il vient me voir. Il vient me voir. Dans la voiture, il est à côté de moi. Quand je suis tout seul, j'y touche la jambe. Parce que j'ai besoin de ce côté charnel que j'ai perdu. J'ai besoin de toucher. Donc j'y touche la jambe. Des fois, il y a un truc très particulier. Alors, je ne sais pas si ça peut s'expliquer. C'est qu'il est en moi. Et je fais des gestes comme si c'était lui. Alors, c'est très, très drôle, très. Comme à un moment, des fois, on dit, tiens, j'ai vécu ce moment déjà. Ça arrive. Là, c'est pareil, mais c'est mon frère qui est en moi, qui va faire un geste et tiens, c'est Christophe. Donc, je vis avec ça. Alors, je crois que je me suis fait ma petite bulle, mon petit monde. Je vais le voir là où il est en ce moment. Je lui discute. Avant de venir à la mission, je suis allé le voir en disant, ça ne te gêne pas. Si je vais voir où ? Là, au cimetière. Ouais. Et puis, je vais le voir là-bas et puis je discute avec lui. Je lui demande si ça ne le dérange pas, si c'est ça qui me protège, qui me. Et vous avez l'impression d'entendre qu'il vous répond ? Ah, ouais, je vis avec lui, ouais. Qui répond inconsciemment, parce que quand il était bien malade et qu'il venait me voir, parce qu'il venait chercher de l'aide chez moi, et on passait des fois des samedis après-midi dans le jardin, chez moi, et on ne se parlait pas. On n'avait pas besoin de se parler. Quand il repartait le soir, il me disait, tiens, là, je vais mieux. Et là, puis il partait, et ça allait mieux. Sauf la dernière fois où je n'ai pas voulu, parce que je faisais pas mal de choses, j'étais fatigué, le lendemain, il s'est suicidé. Donc effectivement, de là, on peut dire qu'il en découle après des... Oui, des vrais troubles. Des problèmes énormes, de culpabilité, des gens en train de jumeaux, de dire pourquoi je suis encore là. Alors voilà un peu tout ce qui est un peu découlé. Pourquoi je n'ai pas été là hier? Enfin bon, vous avez eu le temps de faire le deuil de tout ça, quoi. Non, je ne l'ai pas fait, malheureusement, parce que ça, c'était quelque chose. Et j'étais obligé d'avoir un psy pour ça, c'est parce que j'avais plus à partir de chez moi. De Saint-Raphaël, j'avais très peur. J'ai fait un fou de planche à voile. 2 ans après, je me suis dit, tiens, allez, je vais sortir, je vais à Hawaï naviguer. Je suis arrivé à Los Angeles, j'ai fait demi-tour, peur, panique. Et donc, je ne sais pas de quoi ça venait. Et en fait, ça venait de ce trouble que je suis obligé après de travailler. Et je commence maintenant à m'en sortir. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Vous n'avez pas fait votre deuil, mais enfin, vous avez trouvé un moyen d'essayer de vivre ou plutôt de vivre sans. Exactement, tout à fait. Maintenant, je vis avec, je me suis fait mon petit monde. Sarah profite de ça aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Elle profite de quoi? Quand je dis profiter, c'est peut-être dans le mauvais sens du terme. Oui. C'est vrai qu'elle est venue avec moi au cimetière. J'ai dit, il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu... Là, avant l'émission? Non, pas avant. Je suis allé tout seul, là, par contre. Mais sinon, elle est allée avant et elle vit avec. On a les photos à la maison, dans la voiture, et elle vit avec ça. Il lui ressemble? Il se ressemblait beaucoup? Oui, beaucoup. Donc, elle vit avec ça parce que ça fait partie de moi. C'est moi, ça fait partie de moi. Voilà, donc ce deuil, maintenant, j'espère le faire. Je me suis dit, peut-être une émission, quelque part, peut-être, parce que j'ai envie que ça s'arrête un petit peu maintenant. J'ai envie de vivre ma vie maintenant, de recommencer quelque chose. Mais j'ai envie de dire aussi, attention, ça m'arrive à moi,
J'ai entendu une autre histoire avec un ami que j'ai mangé l'autre jour. Ben, le frère, 2 ans après, il s'est suicidé. Je veux dire, ça peut être quelque chose de très grave. Il faut qu'il y ait des gens spécialisés qui soient formés à ce genre de problème, qui aient peut-être des jumeaux, des triplés, ou qui l'ont été, peut-être, pour savoir comment on fonctionne. Oui. Cette maman, qui est en tout cas maman de triplés, qui donne des conseils aux familles multiples, c'est de quoi elle parle indirectement par votre progéniture, madame. Vous avez quel âge, oui. Votre anniversaire aujourd'hui? 41. 41, bah écoutez. 41, non. C'est un bel âge pour un virage. Ben c'est, je bon prends complètement. Yadio, bien enfant. Yadio. Ouais, toi. Oh. Oh. Quelle est belle, j'ai pas vu de vous. Ça va, Lio? Vous avez écouté Jean-Philippe avec quelles oreilles en pensant à vos jumelles? Mais oui, en pensant au mystère de la vraie jumélité, parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que j'arrêtais pas de poser la question. Est-ce que vous êtes des vrais, des faux? Enfin, j'essaie de m'y retrouver. Je trouve que c'est très différent. Parce que là, ce que moi je vois, c'est des choses de fratrie, de sorellité, de gens proches qui s'aiment et l'amour se multiplie et il est peut-être plus fort. Mais dans le cas des vrais jumeaux, il se passe encore quelque chose qui tient du mystère, hein, du miraculeux qu'on ne connaît pas. Donc j'étais très intéressée par son histoire et je vous rassure tout de suite, moi je parle à mon grand-père au cimetière aussi et il me répond. Donc il n'y a absolument pas à s'en faire, chacun a sa manière de vivre. Le tout c'est de savoir vivre et d'arriver à vivre. Et vous y arrivez puisque vous êtes là. Donc. On y arrive effectivement. Ça met du temps. Ça met du temps. Effectivement, si on pouvait se faire aider par des gens qui connaissent le problème, je pense que j'aurais peut-être perdu moins de temps. Je suis bien d'accord, mais moi je vais voir des psys complètement normaux pour des gens, disons, normaux, et j'en trouve pas toujours des bons non plus, vous savez. Donc, il y en a quand même. Mais il y en a. C'est sur la fête des psys. Oui, et alors, ce que je vois là, moi ce que je vois, c'est de l'amour, c'est beaucoup d'amour, mais il s'en sort très bien, elle va partir, elle est déjà partie, elle va revenir, lui aussi. Et Vincent, il le vit pas super bien. Vous trouvez, finalement, c'est l'amour, tout ça, non? Oui. Moi, par exemple, quand j'ai dû me séparer de mon frère, mais j'étais atterrée, il est resté au Portugal. Et vous, regardez, moi, j'ai un frère de 2 ans plus jeune que moi, et ma sœur est née 7 ans après, et pas du même père. Eh bien, elle a dû vachement ramer aussi pour trouver sa place. Ouais. Ça n'a rien à voir avec d'être jumeaux ou pas. Ça, c'est la différence d'âge, c'est une complicité qui se forme, peut-être des choses que j'ai vécues avec mon frère qui nous ont rapprochés. Et c'est vrai que pour que l'échange continue à se faire, on ne peut pas briser une complicité forte. Non, puis 3, c'est vrai que c'est un chiffre où il est plus difficile de trouver son équilibre. Ah oui, non, mais eux, c'est magique. Leur exemple, c'est non, mais c'est magnifique à voir. Moi, j'étais vachement émue tout le temps. Je trouve que c'est que de l'amour qui se multiplie. Et n'ayez pas peur. Hein. C'est des monstres petits, mais ça change. Et l'an prochain, ils sont à l'école. Et vous allez pouvoir va-va-voum retrouver votre mari. Ça va être merveilleux. Va-va-voum. Profitez-en. Christophe. Non, mais on se pose tous ces questions, quoi. Mettez-vous à la gilet d'abeille. À la gilet royale. Attention, voici un débarquement. J'adore. Regardez tout petit. Viens, venez, viens. C'est dur, hein, plein d'enfants. Moi, j'en ai 6 d'âge différents. Ils sont tous à se tirer la bourre. Ils sont jamais contents. J'en aime toujours un plus que l'autre. Ce qui me rassure, c'est qu'ils le disent tous. Oui. Donc, je me dis, c'est que je les aime tous pareil. Et ça n'arrête pas. Et c'est comme ça. Et on est débordés. Et c'est super dur quand ils sont petits. Mais on commence à respirer à la maternelle. Et on respire de plus en plus. Alors, à la crise d'adolescence, je ne sais pas, madame. Marie-Claude, vous respirez. Ça, vous respirez pas. J'ai respiré à la maternelle, exact. Et dites donc les gars derrière, là, et les filles, un peu... Il faut laisser respirer maman. Il faut votre mère, mais vous souvenez ce qu'elle fait demain, Marie-Claude? C'est très bien, elle dégage, c'est demain. Formidable. Demain. J'en rêve. Je respire demain. Elle s'appelle Lio, pour l'avoir en vrai, elle est sur scène, elle joue le nouveau bébé de Marie Dariussec. C'est un livre, c'est aussi une pièce, au 20e théâtre à Paris. J'espère que vous irez proposer ce spectacle aussi aux spectateurs qui nous regardent de région. Et j'espère, oui, je compte bien. C'est un merveilleux ode au bébé et à l'amour qui se multiplie et aux difficultés que nous avons, nous, les femmes, hein, parce que c'est toujours à nous qu'on pose la question. Vous préférez votre enfant ou votre travail, hein? Oui. Hein, votre enfant ou votre mari? Oui, mais écoutez, ou lequel des enfants? Ou lequel des maris? C'est horrible, mais lequel des maris? Tiens, justement, eh ben, le dernier. Parce que je vais vous dire quelque chose. L'amour se multiplie et quand on aime, on ne compte pas. Moi, j'ai 5 enfants d'autres personnes que Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre, j'en ai fait un. C'est le petit dernier, Diego. Il m'a pris avec les 5. Et il ne s'est pas posé de questions. Et pourtant, ce n'était pas son choix. Et on vit tous ensemble et on essaye d'être heureux et on l'est.
souvent. Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci, bonsoir. Nous préparons une émission sur les sans-abri. Vous aviez tout et vous vous êtes retrouvé à la rue. L'un de vos proches est sans-abri ou a connu la rue. Vous avez été SDF et vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez créé des liens amicaux avec un SDF, vous l'avez recueilli chez vous. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.